Mesdames et mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur jeuxvideo.com et plus particulièrement Gaming Live sur Web TV. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble pour 3 heures. On continue l'aventure Echo of Soul aujourd'hui, on en parle d'ici quelques instants. Je serai aussi en compagnie de Foxy, les Musaraignes, ils arrivent, mais avant, comme d'habitude, voici le programme du jour sur votre TV1. À 15h, vous retrouverez l'école des sacs by Timo qui sera sur Pokémon Rosa. 19h, Cult & Clicks et Bigby, Cardell et Kerr qui reviennent pour vous parler actu, ciné, série, mais pas que. 21h, si l'émission Sauvage qui apparaît, c'est Ken Bogard, Mizu, Neitera qui reviennent, et 23h, le Guacassab Madine, Monsieur Karaté, le seul, l'unique. Voici votre programme sur la TV1. N'hésitez pas, hein, comme vous le disiez, la matinale, à être curieux sur les différents programmes. Vous avez tout un tas de chaînes, mais aussi un Mister MV, un jeu 2 qui reviennent sur un lancement de Batman aujourd'hui même, puisque c'est la sortie du nouveau Batman. Et en parlant de sortie d'ailleurs du nouveau Batman, vous avez deux copies numériques à gagner via le Facebook AlexClick TV. N'hésitez pas, c'est un tirage au sort qui aura lieu vendredi. Pour m'accompagner aujourd'hui, tout au long de cette émission, hein, j'ai pris les meilleurs lurons de la Team Click. Bonjour Foxin. Salut. Oui, vous allez bien? Ouais, je suis les meilleurs lurons à moi tout seul. Oui, à toi tout seul. Bah non, mais il y a Musaraigne aussi, que je présente après. Mais vous êtes deux, donc pluriel luron, tu vois. Bonjour Musaraigne. Salut. Oui, comment vous n'allez? Bah écoute, ça va. Bon, bah magnifique. Et on dit bonjour au chat aussi. Dites bonjour au chat d'ailleurs. Bonjour le chat. Oh bah dis donc, il y a une motivation d'enfer les gars aujourd'hui, je tiens à le signaler, il y a une motivation digne de Motivation Man quoi. Bonjour le chat, il se situe à droite du lecteur, vous n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à discuter en temps réel avec nous. Si vous n'avez pas de compte Twitch, puisque le chat utilise un compte Twitch, il suffit de le créer, c'est on ne peut plus simple, et bah vous le créez. Hein, ça demande un pseudo, une adresse mail, un mot de passe, c'est parti mon kiki et vous pouvez discuter. On dit bonjour notamment à Gara, à Isobot, à Balls201, on dit bonjour à Monsieur Zombie, on dit bonjour à Baptiseur, à Dégolas, Dégolas qui est là tous les midis, hein. Dégolas qui est un très beau pseudo, hein. C'est à Dégolas ce monsieur, à Doumi, on dit bonjour à Scorpio, oui c'est Légolas le dégueulasse, à Invisible W93, voilà on dit bonjour, installez-vous confortablement, et notamment Isobot qui nous dit je veux des saucisses. Voilà, bah bonjour à vous. Bah oui, mais je crois que tu t'es trompé, hein, le supermarché c'est pas ici, hein. Enfin, quoique, des fois on se le demande. Bon, hier nous avons commencé une aventure sur Echo of Soul et la modération vous met régulièrement un lien pour pouvoir télécharger ce jeu si vous le souhaitez. C'est un jeu qui est free to play, qui est développé par Aeria Games, et rappelez-vous Aeria Games, on a notamment fait une semaine spéciale Aura Kingdom et on a eu envie de voir en fait ce que donnait ce nouveau bébé MMORPG de Aura Kingdoms. On a commencé hier, on est monté level 12 en 3 heures sans trop forcer. Qu'est-ce qu'on retient d'hier? On retient que le système de caméra, moi je le trouve pas topissime, un peu du mal avec le système de caméra, sinon on reste dans du très classique. On n'éclate pas l'originalité. Oui mon cher Musaraigne. Est-ce que tu feras du Call of du level 12? Monsieur Musaraigne, j'aimerais vous dire que c'est terminé pour vous. Vous irez à la comptabilité. Jacqueline aura alors votre chèque de cessation d'activité de nos services. Et nous reverrons plus. Hein, ce genre de blague. Très drôle, sans demeurant, hein. Très drôle. Ça demande, c'est quoi le principe de l'émission? Alors le principe de Mini2Click est très simple, on prend un jeu du début jusqu'à un certain niveau, pas forcément la fin, pour le découvrir un maximum. Le but du jeu n'étant pas de finir ce jeu, mais de le découvrir pour vous donner une idée du jeu, que vous puissiez vous-même voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je dois télécharger ce jeu, investir sur ce jeu ou pas? C'est vous qui avez la réponse, nous en tout cas, on vous le montre et on change de jeu bien régulièrement, que ce soit du jeu indé, du free-to-play, du AAA. Voilà un petit peu le principe de Mini2Click. D'ailleurs, en parlant de Mini2Click, avant de revenir sur Echo of Soul, pour vous donner le programme de la semaine, demain on sera sur une spéciale plateau, je serai avec GE2 sur War Thunder spécial PlayStation 4, on va se marrer, avoir un petit peu les différences, mais aussi à jouer à la manette. Oh, ça va être rigolo, je pense qu'on va se cracher toutes les deux secondes. Ça sera en direct du plateau de Gaming Live, donc demain je serai à Paris en direct là-bas. Jeudi, on reviendra sur un jeu free-to-play made in Steam qui s'appelle Dirty Bomb, qui est un habile mélange de plein de jeux vidéo et qui est assez fun. On présentera ça jeudi et vendredi on reviendra sur Echo of Soul, puisqu'entre temps j'aurai eu le temps de monter plus haut level et de ce fait là on pourra aller voir un peu le contenu plus haut level. Alors je sais pas si je serai level maximum, mais en tout cas j'aurai monté un petit peu. Et donc hier et aujourd'hui on s'intéresse vraiment au fait de monter avec vous le personnage, voir ce qui s'ensuit, les caméras, les lumières, les décors, les quêtes, monter tranquillement sur Echo of Soul.
Donc Echo of Soul, le jeu est plutôt, en fait, il déborde pas de créativité, il est simple, je pense qu'aura Echo, alors je vais y arriver moi aujourd'hui, donc Aeria Games a su prendre un habile mélange de ce qui marche bien sur les MMORPG et le transposer avec leur direction graphique à eux, et surtout le côté un petit peu manga qu'ils apprécient tout particulièrement, sans oublier hein, de pouvoir designer des nanas. Ah, viens ici, quasiment à poil. Donc là, vous la voyez, elle est habillée la mienne, hein, parce que ma sorcière, là, ma magicienne, elle est habillée parce qu'elle est pas au level. Hein. Plus on va aller au level, plus elle aura des tenues, bien entendu. Ou ça sera limite, limite. Enfin, limite de quoi? C'est la limite de la frontière entre ce qu'on peut voir et ce qu'on peut pas voir. Est-ce que ça fonctionne les streams sur PS4? Je pense que oui. Oui, j'ai vu des gens streamer sur PS4, donc il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas streamer sur PS4. Alex, tu as joué hors live ou pas? Même si je sais la réponse, mais c'est pour les autres. Non, monsieur Zombie, j'ai pas joué hors live, c'est ce que je vous avais promis. Hier et aujourd'hui, on avance sans que j'ai touché à rien, pour voir un petit peu jusqu'où on monte, les premiers donjons, etc. Et à partir de la fin de ce live-là, moi je vais travailler un peu dessus sur le jeu en off pour monter un peu mes levels et vous montrer du plus haut level. Voilà, voilà un peu le principe. Voilà, Alex le pervers. C'est pas le pervers, j'ai l'impression que dans les MMORPG, plus tu prends une nana et plus elle est au level, plus elle est à poil. C'est assez dingue ça. Du style, je suis au level, j'ai plus besoin de vêtements quoi. Je gère tellement de la fougère que c'est bon quoi. Donc, pas mal de quêtes d'ailleurs. Donc le système de caméra, moi je suis pas un grand fan. Après on reste sur du système classique. Rien en fait, le jeu est bien. Mais, je veux dire, mais il est pas en train de me transcender. Je suis pas transcendé, vous voyez. Il est sympa. Donc on va voir au level, parce que chez Aeria Games, on se le rappelle sur Aura Kingdom, le but n'est pas de... Tiens, je reprends Naimera avec moi. Hop, viens ici, Nae. Le but, en fait, chez Aeria Games, c'est que les joueurs puissent monter au level assez rapidement. Et à partir de là, c'est là où l'aventure commence réellement, parce que le haut level est vraiment plus dur. Métier, attendez, parce que je regarde pas où je vais. Remplir vos obligations, faudra qu'on refasse du PVP tout à l'heure, et sinon tout est à 200 mètres à peu près. Retournons faire nos quêtes. J'ai pas compris. Il y a Chromar, il dit tu gères la fougère, du coup il ne te faut que la fougère. C'est Eve, oui d'accord, ok. Ouais. C'est pas mal le petit bing quand t'as gros, mais en même temps, je sais pas. C'est bizarre. Ça va, ça se passe bien. Vous êtes pas tous en train de me suivre. Allez, désagro, s'il te plaît, ours sauvage des ténèbres. On va éviter d'agro toute la population du jeu. Voilà. Salut, Tirk, ça va? Tu m'as pas donné l'émission, Tirk? Vous en êtes où, vous, les copains, d'ailleurs? 12 et 13, c'est ça? On est dans le donjon. En fait, le donjon. Ouais, okay. On est au niveau du donjon. Je vais le faire, je finis mes quêtes. Faut que je récupère des billes de verre suspectes. Contrôler un noyau contrôle mental. Et à partir de là, j'irai faire mon donjon tranquillement. De toute façon, ça sert à rien de se grouper, puisque les donjons se font, les premiers donjons se font de façon solitaire. Faut attendre le level 15, c'est ça, pour faire du donjon 35. De 35. Ah oui, ça demande d'être un peu plus haut. Tu disais, Fox, que toi, tu y avais joué pendant la bêta fermée. Ouais. Et que tu trouvais que c'était assez rébarbatif, comme la plupart des MMO, le leveling. Et bon, il casse pas trois pattes à un canard, quoi. Rapporte-moi si, fais-moi ça. C'est très répétitif. Après, c'est vraiment les zones qui sont en elles-mêmes... Très joli. Ouais, que les zones sont plutôt sympas. J'aime bien la luminosité en fait. Pour une fois, on n'est pas dans un truc totalement sombre. Après, il y a vraiment du challenge dans les donjons. Parce que tu peux les faire en mode. Enfin, les donjons solo, tu peux les faire normalement. Tu peux essayer de battre ton record. Tu peux récupérer le stuff unique de donjon que tu trouves dedans. Après, tu as la possibilité de le refaire en héroïque. Et là où bah, tu galères un peu plus. Parce que c'est quand même beaucoup plus haut level. Et level 15, le premier. Ça dit justement, est-ce que c'est du bashing? Ben moi je trouve pas. On n'a pas tant de bestioles à taper. Non, hein. Pour l'instant, en tout cas, level 12, on n'a pas trouvé plus de bestioles que ça. Bah, c'est surtout que en fait, on a essayé il y a un moment, j'avais un peu d'avance sur des quêtes avec l'autre perso sur Fox. Et du coup, en fait, j'ai fait que taper du mob en attendant qu'il me rattrape au niveau des quêtes. Et au final, j'ai rien gagné en XP, clairement. Moi j'ai vraiment du mal avec cette caméra. Moi, c'est ce qui me dérange. C'est vraiment les quêtes plus. En fait qui m'ont donné de l'XP et pas du tout les le page de mob. Est-ce que vous ferez du PVP aujourd'hui? Oui, on a une mission PVP à finir, donc oui, il faut qu'on fasse un combat PVP. J'ai trouvé ça à la fois sympa leur PVP parce qu'il y avait des objectifs et à la fois. J'ai pas tout compris.
peut-être parce que... Le mode de jeu qu'on a fait hier, j'étais pas fan. Le PVP, en fait, qu'on a fait hier, il y avait des objectifs, mais en même temps, il faut savoir que donc le PVP, on est tous ensemble. Donc peu importe le level, et pour ceux qui... non, je veux du Pierrot, pas du Cryo, s'il te plaît. Oui, j'accepte. J'accepte cette quête, merci. Il faut savoir que donc le PVP, si vous êtes... Putain, il est nul ce bâton, en fait. Tu te fous de moi ou quoi? Box, le sucre en poudre de couleur, tu le chapeau. Je sais pas, sur les récupérateurs peut-être, dans des fleurs. Donc il faut savoir que le PVP, en fait, vous pouvez y aller dès le level 12, même un petit peu avant. Donc ça va vous booster votre HP, vos mana, etc. Mais vous aurez pas forcément de ce fait là le maximum, quoi. C'est ça qui est un peu chiant, quoi. Voilà, donc, je suis en train de faire les quêtes level 12. J'ai peut-être oublié ma quête donjon, on va peut-être aller la faire parce que... Est-ce que je vends avant? Grande question à 3 balles. Toi, tu veux que j'aille à 7 mètres, faut que je fasse quoi? Tuer un salien? Oh, bah attends, là, vite fait, il est devant. On va le faire. Ouais, on va se faire le salien. Bonjour, j'ai tué un salien. Ah, il y en a 4 à tuer. Voilà, le seul bashing que je vois pour l'instant, c'est tuer 4 saliens. Pas une grosse difficulté. Et de deux, une nymphe. Est-ce qu'il y a d'autres saliens? Ici, j'ai trouvé des saliens. C'est des scorpions, quoi. Scorpion natus. Il y a Ineo qui dit je suis dans les levels 35-40 si tu veux de l'aide. Non, le but aujourd'hui c'est vraiment d'avancer tranquillement, de montrer un petit peu le gameplay à bas level. Parce que on voit souvent des gens qui montent le gameplay au level parce qu'il est en effet plus intéressant. Mais moi ce que j'aime aussi c'est de pouvoir montrer comme vous, si vous prenez le jeu, vous passerez par là. Donc c'est que vous puissiez vous rendre compte en fait de... des heures de gameplay, en tout cas de monter en level, quoi, de leveling. Après, moi là où... Ce qui me plaît beaucoup, c'est que le fait de toute façon, le jeu est gratuit. Il est free to play et on nous est pas demandé la carte bleue. Là, pour l'instant, on ne soit pas excité. Ah merde, faut que je parle à Todias. Je suis parti dans une autre zone, je crois, la zone des scorpions. Là, t'es pas allé faire le donjon encore? Non. Mais je pense que je vais aller le faire. Je pense que je vais aller le faire, il est là, il est dans la grotte. Est-ce que je vais à Sable Vent ou pas? Bon, je vais juste parler à Tobias et puis après on va aller faire quand même le donjon parce qu'à un moment donné... Oh là là, je suis en train de me... On reviendra plus tard. Je vais faire mon donjon parce que sinon je vais me retrouver trop loin en zone. Et clairement je vais mettre 3 plombes à revenir. Donc allons-y gaiement, on va aller faire le donjon solo. Il n'y a pas d'extension, rien, non, pas d'extension payante dans le jeu pour l'instant. Tout ce que vous avez en fait c'est vraiment du cash shop qui va correspondre à du cosmétique principalement, du petit boost d'XP. Et c'est à peu près tout. Aeria Games c'est souvent spécialisé là-dessus. C'est tout ce qui va être cosmétique, monture spécialisée, bonus d'XP. Mais vous aurez pas en fait, vous aurez pas autre chose, quoi. Vous avez deux nouvelles quêtes. Merci. Oui, bah, je vais les prendre. J'ai terminé une quête. Bah merci, c'est sympa. J'ai une nouvelle quête. Merci, c'est sympa. On va finir celle de cette zone-là parce que sinon. On va se retrouver caca. Donc ça c'est la PVP, ça c'est ma métier. Ok, et on va finir ces deux là, la 2 et la 3. Le dialogue de Xin. Et tu m'as pas vu la nymphe, tu m'as pas vu. Chut, s'il te plaît, désagro. Désagro moi. C'est un style de WoW. Ah, c'est compliqué, WoW est un MMORPG, il y en existe des centaines. Et beaucoup, les grands fans, les asiatiques sont très fans de MMORPG. Vous en trouverez des centaines que vous ne connaissez pas forcément. Peut-être pas des centaines. Juste des milliers, c'est lui qui l'a craqué. Oui, oui, bah oui. Il y en a énormément, ouais. Hop, est-ce que je prendrais pas... On va aller donc secourir les habitants. Par là-bas, est-ce que j'ai pas un marchand avant? Tu vends pas des trucs, toi, le domestique, Xin? Tu vends pas des trucs? Ah non, tu vends pas des trucs. C'est chiant, ça. J'ai un peu le sac à dos qui est un peu rempli. Bon, j'ai encore de la place. Je vais pas... On loot comme des porcs dans les donjons ou pas, les gars? Tu peux récupérer en fait, t'as un sous-boss et un boss et tu récupères du stuff de... enfin un set de ta classe. Tu peux récupérer deux pièces d'un set. D'accord. Et qui est pas forcément... Alors, qui est forcément de ta classe mais pas de ta spécialisation.
Alors je cherche, en fait on peut directement aller faire le donjon via l'onglet donjon qui est ici. Ah, En fait. y a le boss loup noir si tu veux là, la quête vient de pop. Ouais, je vais le faire vite fait. Et on je va crois le faire que t'es vite pas fait. Très loin. Le noir, le noir, le noir, le noir, il est là-bas, 30 mètres. Oh bah il est juste devant moi. Il est juste devant moi. On va aller faire, il y a un onglet en fait donjon. Il y a un onglet donjon hein, qui est juste ici en fait, qui permet de rejoindre le donjon directement. Là en fait j'ai envie d'y aller à pied, il est pas très loin. Le donjon il est vraiment, oui, ce courir, il est à 60 mètres donc... Ah ça y est, engage. Ça, ah oui, ça engage. Ça engage. Ouais, je suis je suis pas avec beaucoup dans le bon groupier pour que je rejoigne votre stance. On n'aura pas le temps. Voilà, on a tué le loup. On l'a défoncé. Et ça nous donne ouais. un petit coffre, cool. En fait, ça Merci. Donne un coffre d'événement. Ouais. On va regarder ça tout de suite. Coffre d'événement. Ok. Qui m'a donné. Ouais, 13 potions. Ouais. Allez, les potions 4 d'ailleurs, potions. On va peut-être penser à les équiper. Ah, tiens, Alex, attends, j'ai dit oui. un truc. Je oui, donnez-moi des choses. Par ton son, oui. Oui, allez-y, bonjour. Donnez-moi des choses. Non, je veux pas échanger avec vous, monsieur. Je peux te donner mes trucs. Pas. T'es quoi? Ah, si, j'ai un truc pour toi. Attends, guide du chasseur, c'est quoi? C'est quoi ça? J'ai un pack guide du chasseur. D'accord. Parchemin, c'est quoi ça? Et ça va te donner un petit bonus dans une heure. Pendant une heure? Allez, je l'utilise direct. Fais péter. Ouais, comme ça, si tu vas faire ton donjon, t'auras un petit bonus de. J'ai bien mon Écart. Parchemin de soins basique en égal. Ok, tout va bien. Bah, oh, dans l'idée, trucs, mais ça bon serait dit. Bien que je fasse le donjon où il est. Hein, il est juste là. Grotte cachée, solo normal. À l'attaque! Allons-y, alors, vas-y. Y avait, viens, dans la bêta fermée, en fait, les donjons, tu pouvais pas les faire. Tu pouvais pas les enchaîner. Il y a Foutaise qui dit que. Le gameplay est tellement mou par rapport aux jeux asiatiques. C'est vrai que les MMO asiatiques, souvent, ça rigole zéro. S'il vous plaît. Ouais. Et c'est très. C'est ce que ça disait hier. Hein. Les 60 levels à monter, c'est assez simple. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est une fois level 60 où t'as vraiment du gros challenge. Et là tu pleures parce que c'était pas. Ouais, faut aller chercher en plus des améliorations pour tes items. T'inquiète de rien, je m'occupe de tout. C'est vrai que t'as beaucoup de MMO asiatiques, MMO RPG asiatiques, où en fait tu te retrouves vraiment à. Ok, on va essayer de les aggro un par un. Où tu te retrouves vraiment, même la montée en level est compliquée quoi. Elle peut être très très longue. Si tu galères sur les mobs, n'hésite pas à claquer ton. Ouais, ouais, pour l'instant ça va. Spécial. Oui, c'est juste qu'il veut pas me prendre. Cette saloperie d'aggro. Voilà. Non, non, pour l'instant ça va, c'est pas. Bon, après, c'est moi, en solo. J'ai une armure pour guerrier, moi. Ouais. On a pas de guerrier. Ah, Misa, t'es guerrier? Merci infiniment. Hop là, on va libérer les citoyens. Citoyens! Donc, il y a un boss et merci un. Infiniment. Et un élite en gros, dedans, c'est ça? Ouais, enfin, t'as un sous-boss, tu verras en fait, c'est dans la. Enfin, dans la deuxième zone, enfin, dans la deuxième grotte, hein. De toute façon, tu vas le reconnaître. Hein. Ça serait bien que tu partes le cast dans l'idée. Pour pas mourir dans l'atroce souffrance, ça serait cool. Merci. Et Monsieur Storm qui dit les MMO asiatiques, tu vois rien à l'écran tellement d'un info. Ouais, faut avoir l'habitude. Mais je crois que le MMO est vraiment, le MMO RPG est vraiment très personnel. Moi, ce que je trouve le bon sens qu'a Aeria Games. Déjà, on est sur un free-to-play, donc c'est un bon sens. Ils ont compris que dans ce monde qui est extrêmement concurrentiel des MMORPG, c'était compliqué en fait de proposer un jeu payant, en tout cas physiquement, dans un premier temps, avant même d'y avoir joué. Tiens, toi tu m'énerves, t'es en plein milieu. Voilà, merci. Ah oui, j'ai un timer, d'accord. Il y en a qui ont fini ça en 48 secondes. Ok. Non, c'est pas possible. Ici 48 secondes, mais en fait ils sont à très haut level et du coup ils vont juste sur le boss et l'OS. En fait ils sont tellement haut level que les mobs les accro pas. Moi. Petit silence. J'ai fait 3 minutes 58 sur le donjon. Je suis à 2,47.
Je prends mon temps en plus, hein. Je suis pas pressé de la... pas pressé du tout. C'est ce que j'étais en train de dire. Que oui, que ce qui est intéressant avec Aeria, c'est qu'ils ont compris ce principe là. Allez, 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 tu viens de le passer celui-là, merci. Aeria a bien compris ce principe là, et de ce fait là, c'est vrai que bah, c'est là où ils sont malins. Et j'avais pas vu le troisième. Là, par contre, on va claquer le thé. Voilà. Il se bat, t'as les potions normalement. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je l'ai. Parce qu'ils sont chanceux. De base, ils testent les petites. Ce qui m'embête, c'est pas ça. C'est ça. Cast. Hop. Silence. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. T'énerve pas, je t'explique. Allez, 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 allez. Plusieurs fois le donjon, j'ai le stuff pour ma classe, mais des deux spé, stuff entier. Un petit silence, petit truc de base. Voilà. Voilà. C'était chaud du poulet là sur celle-là. Alors, on va attendre de régénérer un petit peu. Tu prends cher, Alex. Ouais, en tant que mage, c'est-à-dire que quand oui, quand t'as du multi-cible, pour l'instant, j'ai pas vraiment de truc multi-cible. Et ça, ça va piquer un petit peu. Ellie envoûtée. Toi. Cible non valide. Ouais, bah, je sais, cible non valide, il va falloir qu'il y ait une petite ciné, quelque chose. On peut discuter avec toi direct. Bonjour, ça va? F. Je dois écouter la harpie. Attends, 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 t'inquiète, on va s'en occuper de la harpie, Jean-Pierre. On va juste aller chercher des potions qui sont un peu plus fortes que ça. Du 8 PV, on s'en tamponne. Qu'est-ce qu'on a ici? Du 18 et du 20. J'ai mis quoi sur moi? Du 40. Putain, c'est les plus grosses que j'ai. Ouais, youpi. J'en ai plus que 3. Donc on va attendre que ça remonte un petit peu. On n'est pas pressé par le temps. Le but c'est pas ça. Le but c'est de le passer. Prends la Ferrari, Alex. Oui, il y a zéro rapport avec le MMO, les gars, là, mais. Oui, alors dans Echo of Soul, j'ai une Ferrari. Perso, c'est le seul jeu où j'ai cru crever contre un pauvre mob pendant mon leveling, quand même. Elle nous dit foutaise. Ouais, le jeu, moi je le trouve bien foutu. Ce que je lui reprocherais vraiment, c'est la caméra et son manque d'originalité. En fait, c'est qu'il n'y ait pas de. Il n'y ait pas eu de risque de prix chez Aeria Games en fait. Le graphiquement, il est sympa. Level 13. Graphiquement, il est sympa. Je trouve que l'ambiance est sympathique, la bande son est sympa. On est sur quelque chose qui tourne bien. Cependant, potion magique d'Eli, on va lui donner. Ça parle d'un jeu PNS, c'est quel jeu? Et je trouve ça dommage en fait que. Tu veux pas prendre la potion, Jean-Paul? Non, y'a pas moyen de te donner la potion? Je suis très con. De l'eau glacée, bah voilà sur Ellie. Réveille-toi Ellie, ça suffit les conneries. Je trouve juste en fait, le jeu est sympa, mais le seul truc qui m'embête c'est ça, c'est que je trouve qu'on a repris tout ce qui fonctionne très bien dans le MMORPG avec brio, mais pour l'instant j'ai pas vu d'originalité. Donc j'attends de voir, peut-être à plus haut level, c'est souvent là où Aeria Games vient taper un grand coup, c'est quand t'arrives au level, une énorme capitale badass, etc. Dans Aura Kingdom, on avait attendu quand même quelques heures avant d'avoir un truc qui nous montre un dispatch différent, quoi. Après, moi je voyais, il y a Emerald qui disait justement que si tu veux un MMO payant, tu prends WoW. C'est vrai que c'est la référence aujourd'hui, MMORPG, en tout cas en Europe. En Asie, pas forcément. Oui et non, mais en Europe c'est la référence. À force de parler, j'ai 20 000 quêtes, je sais plus où j'en suis moi. Ouais, dans la grotte, t'en sopes 4 ou 5. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je foute? On va faire celui-ci, on va faire le tour en fait, Alex. Arrête d'être con, tu regardes ta carte et tu continues d'avancer. T'as fait 7, tu fais 8, 9, 10. Bah, je les ai tués les gardes. Ah merde, le con! Ça repop dans l'instance ou pas? Ah, le loup noir a repop. Est-ce que. Non, mais ça repop dans l'instance? Non, ça repop pas. Ah, fait chier, j'ai pas mis le verre d'eau glacée avant, j'ai dépop tout ce qui bougeait. Ah, le. Non, le verre d'eau glacée, ouais. Tu l'utilises, tu verras dans la deuxième partie, t'as un garde qui a sommé, tu l'utilises sur lui. Bah non, fallait que je le mette sur Ellie.
Oui, mais Ellie, c'est le garde qui a un peu sonné. Ouais, mais d'abord, j'ai des pops qu'il y avait autour de lui, dont les deux nagas, et maintenant, il me dit que ce serait bien de tuer les deux nagas. Mais tuer les gardes nagas charmés. Mais je les ai un peu défoncés. Ouais, non, c'est pas... Vas-y, on s'en fout, on avance, hein. On verra bien ce qui reste. Loot le coffre, en fait, tu lootes une potion qu'on a réutilisée. Ouais, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Bon, j'ai encore merdé. Bonjour, c'est le fail. Bah ouais, mais ils auraient dû... Moi, ils me laissent les nagas à disposition. Oh, putain, dedans. Vois-tu ? Grand naga. Allez, on va t'engager. Après, c'est comme... en fait, les MMO FPG, c'est un style de jeu. Hein. En fait, ils sont vraiment tous différents. Par contre, là, c'est TF14, Neverwinter, Star Trek Online, même DC Universe Online. En fait, ils sont vraiment tous différents. Ils proposent vraiment quelque chose de différent. Après, il faut aimer l'univers. Graphiquement, ils sont tous... voilà, il y en a qui sont plus beaux que d'autres, mais après ça dépend aussi du style graphique. Voilà, après ça dépend des, ça dépend vraiment des jeux. C'est comme il y en a, ils vont préférer un Call of, un Battlefield ou. Oui. Voilà. Et puis, après, je vais être franc, il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens aujourd'hui. Tu as le droit de vouloir jouer à un MMORPG sans avoir forcément les moyens de mettre l'argent qu'on peut mettre dans World of Warcraft, qui est une somme qui est assez conséquente quand tu veux l'intégralité, plus l'abonnement, etc. Pas forcément tout le monde peut, et c'est vrai que sur Echo of Soul, on a cette possibilité aussi de le faire tourner sur des configs qui sont pas énormes non plus, en fait. Fais chier, il a un stuff cryo, lui aussi, tu te fous de moi. On va pas se mentir, hein. Je sais que Echo of Soul, moi je pense que je vais jouer au moins jusqu'au level 60, faire un petit peu de HL. Mais clairement, je vais pas passer des semaines dessus non plus. Hein. Tout comme. Faut voir si c'est vraiment le level 60 que tu as pas. Je suis emmerdé. Comme là, par les exemple, j'ai arrêté, j'attends la grosse mage. Star Trek Online, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des levels depuis là, mais j'étais level max, mais du coup, j'avais fait un peu de HL, mais j'ai vite arrêté. En fait, c'est un peu. Voilà, je pense qu'après, chacun aussi a sa façon de jouer. Oui, oui, mais c'est encore une fois, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup qui disent World et qui passent en free to play, je passe dessus. Moi, j'ai pas accroché du tout graphiquement en fait. Non, graphiquement ça va. L'histoire est plutôt sympathique. Parce qu'on retrouve un peu le système de choix que t'avais dans les. Dans KOTOR 1 et KOTOR 2. Ouais. Un peu plus limité quand même, parce que t'as quand même une grosse ligne directrice qui fait que tu peux pas influencer le. Vraiment tout le monde, donc t'as quand même une histoire principale qui est pas modifiable, mais ton histoire personnelle quand même peut oh la vache changer. Bonjour, c'est un côté pas what mal. The fuck et qu'est-ce que c'est que ça. Mais le gros plus en fait de KOTOR, c'est vraiment en fait c'est une suite aux autres, en fait t'as vraiment des références, enfin une suite ça se passe je sais plus que combien d'années plus tard, mais t'as quand même des références en fait au KOTOR sur la zone Alex KOTOR de base zone. En fait, qui était sorti. T'as dit le gameplay est vraiment pas mal de Wildstar. Wildstar c'est encore différent. Hein. C'est vrai que les visées. Hop, un peu perturbant. Hop. Tu restes là. Ça pique. La zone, Alex, la zone. Cast rapide. Tu le silences. Tu tapes ça. Il tombe. Non, il tombe pas. Oh, la connerie. Oh là, ça pique. Ça pique. Tu prends mon cast, celui-là, le 0, le 9, et c'est bon. Oh la vache. Non d'une pipe, hein, boy. Mais il fait peur, monsieur. Oh, mais il me donne que du cryo, vous foutez de moi, c'est pas vrai. T'es obligé de m'équiper en cryo alors que je suis je te fais pyro. Alors, tu peux mettre du stuff cryo aussi. Ressemble à quel MMO? J'ai du mal, moi j'aime pas dire à quoi ça ressemble. Je trouve que on est vraiment sur une... C'est du 100% area game, je trouve, et dans le design, moi je trouve plutôt sympa. Graphiquement... moi je trouve ça sympa. Tu passes un bon moment. Après je vais être franc, c'est pas le MMO de l'année non plus. Après MMO de l'année pour moi, enfin, on va dire que difficilement détrônable WoW. Je vais être franc, très difficile de détrôner WoW. Voilà, t'es coincé, tu t'ôtais. Voilà. C'est vraiment difficile de détrôner WoW parce que WoW est quand même un précurseur. Et il y a énormément de contenu depuis plus de 10 ans. Donc c'est voilà où c'est compliqué. Après je joue pas plus à WoW pour autant, sachant que pourtant à chaque fois j'ai des persos qui sont quasiment max. Mais il y a des phases. J'ai des phases MMORPG, j'ai des phases où je dis oh j'en ai marre. Impossible d'utiliser une monture ici. Ok. Donc j'en ai plein qui sont validés sauf les gardes et installer le joyau. Zéro cible. C'est quoi le joyau? Qu'est-ce que c'est que celle-là? Il y a 7 types de joyaux, chaque joyau possède
parchemin permettra d'extraire un joyau. Bah attends, j'ai un parchemin. Oui, c'est en fait c'est une quête qui t'explique les. D'accord, c'est pas dans le donjon quoi. Pour sortir, non, c'est pas dans le donjon. En fait, tu peux sortir les items. Ok, bah, je vais voir en ça. En gros, après. La quête là, c'est une suite de, enfin, une petite suite de quêtes. Il y en a qu'une que je peux pas faire. Ah oui, donjon, c'est écrit donjon dessus. Ok, il y en a qu'une que je peux pas faire de donjon. Tous les autres sont faites. Laquelle de donjon tu peux pas faire? C'est celle où en fait j'ai d'abord mis le verre d'eau sur la tronche du garde. Non, j'ai d'abord tué les nagas avant. Donc, merdé, surtout quoi. Que le garde te donne masquette une fois que tu lui as balancé le verre d'eau. Ouais. Mais tu peux sortir, initialiser le donjon et revenir le refaire. Une quête. Au pire, tu fais juste la quête. De toute façon. Je vais la virer, tuer les gardes naga. Hop là, allez, abandonner. On n'est pas une quête près, les gars. Abandonné. Les MMO sont notables sur la durée. C'est là qu'on voit que WoW est une claque monstrueuse. Oui, mais en même temps, World of Warcraft a eu aussi des gros soucis avec sa communauté depuis plusieurs extensions. Après Kata, c'est là où la communauté a commencé à se diviser. Foncièrement, on sera assez tous d'accord pour dire il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais il y a quand même une communauté qui s'est divisée après Kata. Moi, je pense que c'est à peu près au niveau de Kata, les gars, non? À peu près, ouais. Entre ceux qui disaient ça, l'histoire c'est pas comme ça, ou les autres qui disaient que ça c'était mieux avant, quoi, que c'est mieux maintenant. Enfin, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend totalement des goûts. En fait, on va pas tous aimer le même jeu. C'est ça. Muzaren nous invite à rejoindre son groupe. Bonjour Muzaren, je souhaite faire partie de votre groupe d'aventuriers secrets. Les aventuriers de l'Arche perdue. Et de l'autre côté, ça dit plus après Lynch King. Ah non, t'as raison. Non, c'est raison. Ouais, mais c'est en fait le problème, voilà. Ouais, il y en a plein qui disent moi pour moi WoW c'est terminé depuis cette période, etc. Moi je trouve quand t'as envie de te mettre un MMO, et on l'avait déjà vu avec Aura Kingdom, ce qui est bien c'est qu'au moins tu t'engages pas des masses, à part télécharger le jeu, on va être franc. Si t'accroches comme un dingue, tant mieux, si t'accroches pas, il t'a coûté zéro. C'est ce que j'aime aussi avec ce côté free to play en fait. C'est vraiment le fait que c'est toi qui choisis. Tu choisis, tu trouves ça cool, bah tant mieux. Tu aimes pas, tant pis pour toi. Pyro, ok. Qu'est-ce que j'ai chopé d'autre? C'est du cryo. Putain, je vais m'équiper en cryo, je crois. En attendant, hop. Bon, regarde ce qui t'augmente le plus. Ouais, le truc, hein. Clairement. Pour l'instant, on va mettre du cryo. Ça m'augmente trop pour que je le tienne pas en compte. On verra à plus haut level, j'aurai que du pyro vu que c'est ma spé. J'avais le choix entre pyro, donc le feu, et cryo, le froid. Je préférais faire ça plutôt que l'inverse. Alors, où est-ce que je vais avoir un marchand? Musa, t'es là. De toute façon, il faut que j'aille par là. Il y a un marchand, regarde, t'as un sac à droite sur la map. T'as un épicier. Yep, on va aller voir l'épicier, comme ça je vais revendre tout le merdier. Je ferai du décraft plus tard, c'est pas grave. Kata avait trop un goût de réchauffé, il y avait rien de plus qu'à Lynch King. Après voilà, entre ce que la communauté attend et ce que les devs font, des fois vous voyez, il y a une grosse différence. Il est où le merdier? Soyez je suis devant. Je l'ai zappé. Ah bah oui, il est derrière moi. LOL. Tiens, on va en profiter aussi pour vérifier votre sac. Ah, j'ai un bâton de magicien pyro. Ça, on va les garder. Ça, c'est pour le joaillier. Ça, c'est un paquet. Un bracelet de relaxation. Voulez-vous vous le relaxer? Ça, je vais te le vendre. Ça, je vais te le vendre. Vendre. C'est quoi ça? Potion magique égarée d'Eli. On va garder ça de côté. Vendre. La potion violette, là, c'est pour contre le boss. Hein. Si tu l'as pas utilisé, tu peux la tège. Eh, je te tège. Voilà. Moi je l'ai défoncé sans la potion. J'ai réduit ses attaques défense. Et bah voilà. Et si tu veux m'échanger. Attends, j'ai peut-être des trucs pour toi. Ah cool. Ah non, il m'intéresse pas. Déjà. Ok. Non mais je vais être franc. Hein. Non mais si, non moi, ça... Non madame. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me suis équipé, c'est bon, je suis plus dans le menu vendre. J'ai ça mais je sais pas ce que c'est. Ah un pack de guide. Ok, bonjour. Bénédiction d'Edin. Coffre-fort à distance et bénédiction de Nord. Recevra bénédiction de Nord, son effet durera 2 heures. Cool, j'ai plein de trucs à effet. Mais bonjour. Engin étrange, cette machine inhabituelle a une antenne. Non stockable, inventaire familier. Je sais même pas ce que c'est.
Inventaire familier inutilisable, c'est un truc objet de début de quête. Ah oui, bah alors il faut que je le rende. Bah oui, à un moment donné, lis s'il te plaît, Alex, tes quêtes. Alors, oui, on va donc faire une purification double. Ah, j'en ai 78 à purifier. Purifie-moi. Voilà, ça va mieux. J'ai été purifié, mesdames et messieurs. Bon, on va continuer les quêtes. La première, hein, c'est ma quête de métier. Je l'avance petit à petit. Et on est parti pour la suite, il faut que je parle à Todias. C'est les joyaux que j'ai pas fait, je comprends pas comment je fais ce truc là. Tu as, regarde dans ton inventaire, tu as deux joyaux. Le petit joyau mineur normalement. Ruby, saphir, péridot, onyx, topaz, topaz. Ah, oh, j'aurais de te dire non. J'ai pas de joyaux. Il y en a aucune où tu as deux fois ? Si, si, j'ai deux amnisties, deux topaz. Ah, voilà. D'accord. Ah voilà, en fait tu fais un clic droit dessus et ça va te proposer de les fusionner. Ah ok. Plaire ta quête aussi. Wow. Bien sûr monsieur. Mais non mais ça marche pas. Ah oui, installer, il faut que j'installe le joyau, mais pour ça il faut que j'ai un parchemin, non? Alors attends, je regarde. Plutôt que de l'ouvrir, on va regarder tranquille ou pépère. Comment on installe un joyau sur mon arme? Ruby peut être équipé. Ah oui, non. Voilà, quand tu regardes un item, okay, en fait, ils te disent que tu peux équiper dessus. Est-ce qu'il y en a un qui peut bien équiper du bleu? Parce que j'ai pas deux rubis en fait, je suis embêté. C'est du vert, non. Je peux équiper du violet ou du... Eh bah, chien niqué. T'as pas un rubis qui traîne, un rubis mineur? Je te l'échange contre un... Non, j'ai du vert, du bleu, du violet, du orange. Je suis emmerdé. Pourquoi il te manque quoi? Il me manque une rouge et un rubis mineur. Mais t'es pas obligé de faire un rubis, tu peux faire avec n'importe lequel. Oui, mais faut que je l'équipe. Jean-Pierre. Je peux pas équiper. Je peux équiper que sur mon arme. Rubis, oui, mais si t'as les améthystes, par exemple, c'est pour les chaussures. Oui, mais les péridotes, c'est pour les ceintures. Oui, mais j'ai pas. Mais tu viens pas d'en crafter une? J'ai un péridote, mais je peux pas le mettre sur ma ceinture. Allez, où ma ceinture? Non, je peux pas. Ah non, le péridote, ça se. Comment ça, tu peux pas le mettre sur ta ceinture? Ah, elle a pas de chasse. Non, elle a pas de chasse, elle est pas chassable. Ma ceinture n'est pas chassable. Ça t'a donné. Regarde pour les gants. À la limite, si c'était un saphir. Moi, j'ai pour ceinture et jambes là, il me reste. Non, non, moi je peux vraiment faire l'arme ou. Sinon en topaz. Ah, si, c'est bon, je peux alors. Ah, bah si, mais si. Meurs. Normalement, il te donne l'équipement et le. Comment tu l'équipes après? Fais un shift, clic droit sur. Ok. On stuff. Ok. Et tu ouvres une fenêtre et tu glisses le joyau. Voilà. Donc comme ça, moi, je pourrais aller voir Xin pour lui dire « C'est bon, j'ai compris comment on sertit », ce qui est pas con parce que ça va servir, ça va être des buffs qui vont être assez importants. Oui. Là, ce qu'il va te proposer, en fait, il va te filer un parchemin pour dessertir. Oui. Donc voilà. Donc tu, en gros, pour ça t'apprend à enlever une gemme du stuff. Ouais. Et après, au pire, tu peux la remettre. Ne rappelle pas vraiment ce que je fais ici. Ah oui, t'as encore des quêtes pour moi, toi. Donc, séparé. Maintenant, on sépare. Ok, on va y arriver. Un coup faux pas, un coup faux, un coup desserti. Joyeux. Voilà. Comme ça, on finit la quête. Ouais, pour comprendre. Ok, magnifique. Et je suis quasiment level 14. Tout va bien. L'XP monte pas du tout. J'étais level 12 il y a pas longtemps. Tout va bien. Bon allez, on va dans la nouvelle zone. Alex, tu n'es pas obligé de fusionner pour sertir le noyau. Ah, on peut sertir des petits. Oui, tu peux, ouais. Oui, mais il t'a... T'as sertir autant de Alors, j'ai pas de points. Non, ce sera level 14. Dans le prochain level, je pourrais aller chercher des nouveaux passifs qui vont faire mal. Très mal. Je suis dans la zone en question, j'ai déjà fait les premières quêtes. Direction la suite, c'est par ici. Vous avez fait les quêtes où je suis dans la vallée Sablevent? C'est là que je suis. Moi j'ai fait les débuts et il m'envoie dans le reste de la vallée Sablevent en fait. Bah je te suis encore. T'as fait les premières quêtes qu'il y avait du personnage de début? J'ai tué les Saliens. Ok, bah c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Là faut que j'aille parler à Todias et à Eino. Todias et Eino. J'aime bien leur idée de l'espèce de GPS. Attends, lui j'ai pas le choix. Je récupère ce qui est à côté. Je vais lui montrer comment je m'appelle. Ah, bonjour.
vu passer Musasan, le vrai. Ils sont en plein milieu, il y a des bêtes partout mais ils ont pas peur les gars. Des mecs de quête, souvent ils en ont rien à foutre de rien, c'est des ouf. Se poser des questions est essentiel. La curiosité. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as du cryo ou du pyro? Ça m'intéresse bien entendu, merci monseigneur. Et toi, qu'est-ce que tu as pour moi? Un coffre. J'ai l'impression que tu te fais arnaquer avec les coffres. Toujours. Faudrait des coffres plus gros là, des sacs plus gros là, hein, clairement. Il me faut des sacs. Il faudrait des sacs pour ranger là. Ça par contre j'en suis sûr, allons voir tout de suite. Parce qu'on n'a pas fait trop le point sur ce qui se vendait. Faisons un point avant la pub de la boutique. J'aimerais voir de ce fait là à quoi sert le pognon. Alors moi il m'en reste de Aura Kingdom puisque, et ça c'est pas mal, les RP sont communs à tous les jeux Area Games. Et ça c'est pas mal, c'est à dire que quand tu as mis du vrai argent dans un jeu, tu le retrouves de l'autre côté. Et ça c'est pas mal parce que c'est pas tout le temps le cas. En tout cas sur d'autres licences qui auraient plusieurs jeux. Alors qu'est-ce que je peux acheter? Imaginons, donc je peux faire des cadeaux. Ah non, ça c'est des cadeaux retrait historique. Ok, ok. Donc, nouveauté spéciale, objet stylisé. Ok, c'est des vêtements. Ok. Des visages, ok, si tu veux des casques, un petit coup, etc. Des lunettes de soleil. Ok, donc pour l'instant les gars, c'est tellement overcheat hein, ce qui permet de vendre là. Accessoires, ok. Des ailes de papillon. Wouhou. Un cache-nez, des carquois. Donc vraiment que, pour l'instant que du physique. Ah. Par contre, on peut acheter des sacs. Ça change pas ton leveling. On peut acheter de la bénédiction qui donne de l'XP en plus, j'imagine ça. Bonus de repos maintenu. Ok, la chasse rapporte 100% d'or et d'XP en plus. Donc c'est un bonus XP or. Ok. Là, on est sur un boost 10 substances. Ok. Une petite gélule digestive. Ok, tout va bien. Ça réduit. Ok, satiété réduite de 500. Peut être intéressant aussi. Mégaphone de zone. Lol. Permet d'écrire à tout le monde présent sur la zone. Ok, mégaphone total pour écrire à tout le monde entier. Augmente le nombre d'emplacements. Vous voyez. Ouais. Ah, ça ajoute 10 emplacements. Pourquoi? Pour un jour. Ah oui, pendant un jour seulement. Oh, lol, l'arnaque. Et tu peux acheter des sacs de 10 emplacements. Alors, combien d'emplacements on a dans notre sac, nous? 2, 3, 4, 5, 6. Putain, 10 emplacements, lol. Oh, tu peux avoir 4 sacs. Ouais, 5. Ouais, 5. Ouais, 2, 3, 4, 5. Donc, tu pourras avoir 40 emplacements en plus. Ouais, rien de. Et après, de la monture et familier. Sachant que tu peux aussi en gagner en jeu. Y a rien, on est vraiment sur du cosmétique, les gars. Moi, je trouve clairement que là, on n'est pas en train de proposer des trucs qui ultra stuff. Le jeu est gratos et en plus, on n'est pas en train de te dire ah, tu vas banquer. En gros, tu banques. Au pire, tu pourrais banquer. Moi, je banquerais pour les sacs. Tu vois, c'est vraiment pour les sacs. Savoir que plus tard, alors je sais que dans Aura Kingdom, tu pouvais fusionner des sacs en fait pour les additionner. Ouais. Yep. Après, j'ai deux anneaux, hein. C'est ce que je me demandais. J'en ai deux. Bah oui, on va mettre les deux. Je me dis c'est bizarre d'avoir qu'un seul anneau dans un RPG. Tiens, ça a l'air sympa. Donc récupérer des déjections. Allez, on va chercher le caca. Viens avec moi, mère, ne coule pas. Nous allons à la ramassage du caca. Naïméra. Oui, c'est mon pet. Il s'appelle Naï. Oui, tu l'as appelé Mère ne coule pas, je sais pas pourquoi. Non, Naïméra. Non, t'as dit Mère ne coule pas. Probable. Bah Naïméra, c'est Naï. Excusez-moi, vous là. Oh, monsieur Xavier Tudor, vous avez piqué ma déjection. Salaud. Il a piqué ma déjection. Mais c'est fou ça. Moi j'étais tranquille en train de bâcher du mob pour aller chercher la déjection de Salien. Le caca quoi. Et y a un mec qui vient, il me pique ma crotte. C'est fou ça. C'est plus intéressant de banquer pour les lampes magiques, ça dit. Le jeu est gratuit, oui, c'est un free to play. Jamais tu me feras mal. Saloperie. Bon, rester sur place, les jeunes saliens. Je vais chercher mon caca parce qu'après je me le fais carotte. J'ai marre de me faire carotte des cacas.
m'en faut 3, ça sera le troisième, après je m'occupe de votre cas. Voilà, là maintenant, comme ça. Premier. Alors par contre, oui, la cible, allô. Ah merde, je peux pas attaquer. Il m'a silence, salaud. Tu m'as silence, hein. T'as osé. Ah, t'es mort. Voilà. Comme ça quand on me silence. Salut, Eino. J'ai besoin de te parler. Un intellectuel est avant tout un passionné. Vous avez une idée du pétrin dans lequel vous vous êtes fourré. Vous avez une idée du pétrin dans lequel vous vous êtes fourré. Pas des masses, monsieur, mais... On va faire du BG juste après la pub, d'ailleurs. On va faire un coup de BG. 50 mètres par là. Y'a un passage ou pas? Je regarde parce que... Non, bah, ça faut faire le tour de la montagne. On est foutu. On ira faire aussi du BG, donc du PVP d'ici quelques instants. Qu'est-ce qu'on fera d'autre? Puis on avancera les quêtes, parce qu'on a encore la deuxième quête. On va attendre d'être 15 avant de faire le BG, par contre. Parce que comme c'est une quête 15, j'ai peur qu'elle se remplisse pas si t'es pas 15. Ici, elle se remplit. Ok. Mais elle donne tout l'XP ou pas? C'est ma grande question à 5 balles, ça. Puis-je vous aider, gardien des armes? Normalement, oui. Je veux du pyro, s'il vous plaît. Non, je veux pas du cryo, je veux du pyro. Merci. Voilà ça. Merci, j'accepte votre quête avec plaisir, madame. Oh putain. Alors, on va quand même le mettre parce que c'est du pyro. C'est du pyro, il me faut du pyro, il me faut du pyro. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu m'as dit de faire, Jacqueline? Récupérer des noyaux élémentaires de feu. Voilà, bon, on est. Là, on va rentrer dans du bashing. Je vais aller piquer les cibles avec Xavier Tudor. De ce fait là je vais pas loot parce que je l'ai pas engage et qu'on est pas dans le même groupe. Ah, trop tard, je l'ai engage. Voilà, tape le pour moi maintenant. Vas-y Xavier. J'ai tout compris, voilà maintenant on continue, regardez. On va voir où va Xavier. Et comme on est au cac. Vas-y Xavier. Ah merde, il a attaqué avant moi. Il a compris l'astuce, il a dit non non, lui il va me carotte tous mes élémentaires. Fous moi le camp mon pote. Vous voulez pas de l'armure, Misa? Non, c'était pas intéressant. Ça. Tiens, va looter, s'il te plaît. Allez. Si c'est du blond, tu peux en vendre. Merci, mon petit Naimera. On retourne à la maison. Ah, ça dit oui, Alex. Elle est où la pub là? Le côté corpo gaming live. Oui, elle arrive la pub. Elle arrive. C'est vrai qu'on est un peu à la bourre. C'est pas très grave. Je vous rappelle d'ailleurs que demain je serai en direct du studio. Nous serons sur War Thunder avec GE. Sur War Thunder PlayStation 4. Ça va être rigolo, je pense. Je pense qu'on va bien se marrer. Et jeudi on sera sur Dirty Bomb. Et au retour vendredi ça sera du spécial Echo of Soul, donc en plus haut level. Tiens, remarquez la pub maintenant, parce que nous sommes dans un endroit très beau, avec des luminosités on ne peut plus sympathiques. Mesdames et messieurs, vous ne quittez pas. 5 minutes de pause pendant lesquelles vous avez le temps de faire un peu tout ce que vous voulez. Manger, café, pipi. Si vous êtes dans le bus, bah, pensez à vous arrêter à votre arrêt, par exemple. On se retrouve avec Fox et Musa d'ici quelques instants. Mais avant, c'est la pub. Mesdames et messieurs, ben à tout de suite. Ouais. Il est midi 54 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Foxy et Musaren sur Echo of Soul, le free-to-play area games MMO RPG me porgue. Bonjour. Ouais, salut. Bon, on part en BG, les gars? J'ai une mission à finir en BG, mais elle m'emmerde, je voudrais la boucler, donc on y va. PVP, recherche, c'est parti, champ de bataille aléatoire, recherche. Vous êtes pas chef de groupe? Ah oui, d'accord. Chef de groupe, pouvez-vous... Oui, c'est moi. Attends, je te mets chef de groupe parce que j'ai... En fait, j'ai banné quelqu'un sans faire exprès en cliquant dessus. Bon, je l'ai débat à l'instant, hein. Mais du coup... Je suis pas chef de groupe. J'étais en train de m'excuser. Je suis pas chef de groupe. Je suis pas. Mais sinon, tu fais pop le PVP, on s'en fout. Hein. Ouais, j'ai PVP. À toi. Recherche de champ de bataille terminé. Mon dieu, le chef de groupe, on n'était pas au courant. Recherche à lancer. Champ de bataille annulé. Ah, t'as annulé la recherche. Ah merde, t'as annulé le champ de bataille, d'accord. Ah, coup, alors PVP, recherche. Tac. Bon, oh, j'ai dit là, s'il te plaît, recherche. Recherche de champ de bataille terminé. On veut partir en PVP. On veut y aller. S'il vous plaît. Donc en fait, pendant que ça cherche à proc, tu peux continuer tes missions, quoi. Exactement. C'est ce que je vais faire.
c'est exactement ce que je vais faire. Bonjour, bonjour, nouvelle zone, bonjour, bonjour, habitant de ces... Ah bah tiens, Musaren. Tu l'as appelé comment ton truc? Boulaf. Oui. Que puis-je faire pour vous? Pourquoi Boulaf? Boulaf facette. Ah, pour Boulaf facette, d'accord. On va quand même se rééquiper en pyro parce qu'on aura un meilleur délire. Oui, je veux aller dans le champ de bataille, Jean-Paul. Vas-y, envoie-moi. Je suis prêt à me faire poutrer. J'adore ça. Toi, tu vends pas des trucs, toi, non? T'achètes pas non plus, tu veux pas. J'ai des sacs tout petits. Oh, tout petit, sac. Dégoûté, moi, j'ai des sacs tout petits. Moi, en PVP, hein, j'utilise pas mes parchemins de soins, hein. Que dalle. Hein. Ça marche pas. Ah, ça marche pas, bah voilà. Non. Moi, je dis YOLO, je dépense. Les potions, les parchemins ou même les bandages ne marchent pas en PVP. Apparemment, c'est des trucs spécifiques. Ah, fuck, c'est pas la map que t'aimes. Celle que t'adores. Bon, bah, tous au mid. Mais qui l'a tout compris? Tous au mid! Pour la gloire, ouais, et... Quand tu survoles, en fait, les parchemins, les potions, ça dit ne peut pas être utilisé en champ de bataille, on arrête. Je viens de trouver un nouveau truc que je savais pas. Clic droit, quand tu doubles clic droit, ton personnage il va là où t'as cliqué. Le combat va bientôt commencer. Tu savais? Là faut aller faire le 1, en fait il est en hauteur, comme ça on peut descendre sur le 2, le 3 direct. Donc on est les violets, hein, si jamais. Yep. T'avais vu que si tu doubles clic droit, ton personnage il va où tu veux? Un clic droit. Par exemple, le clic droit de base. Ah ouais, lol. À l'attaque! Le mec il découvre le jeu, tout va bien. Il y en a, ils sont en chien. Ils ont un petit chien en monture. Bon, ils vont deux en face, ils ont envie de faire demi-tour. Comment ils speed? Ok, y'a personne qui est parti sur le 2, c'est quand même. On est arrivé de nulle part, hein. On vous fait peur, bande de tarés. Ok, on décale sur le 3. À l'attaque! Le 3 a été pris. On en a eu 3 sur 2 en attendant, puis on prendra 2, 3 et on montera sur 1. Bon, par contre, on a perdu Snoopy, les gars. Vous voulez le dire? T'as un brave l'accès guerrier. L'accès à Valhalla ferme à 13. Je sais pas ce que c'est que Valhalla, à chaque fois je vois Valhalla. C'est une zone spéciale. Une zone ils sont chez nous en face là-haut? Non, ils sont gros. Faudra faire gaffe, hein, sur quartier 4. Ils sont tous au quartier 4. Ah, je pense qu'on va tous se retrouver au mid. Et pas pour le truc, j'aimerais faire des points moi, ici je crois. Je suis prêt. Quartier 1 et bientôt quartier 3, quartier 4. Nous on est quartier 3. Ah, le quartier 2. Bah, on s'est fait ramasse ou quoi? Quartier 2. Ah bah merci. Quartier 2, c'est mon gars, il va être là. Allez, vous sautez dans le quartier 3, je m'occupe du 2. Allez vous faire tuer, les gars. Ah mais là, y'a un mec en face. Sauvez-moi le cul. Musa, fonce dessus. Éclate, Snoopy. Non, t'inquiète, ils avancent pas, là. Ils avancent pas, on est trop... C'est bon, tu l'as vu. C'est silence. Oh bah, c'est mort. Quartier 3, c'est pas la peine, du coup. Allez, kill. Quartier 3, c'est pas la peine, t'es sûr? J'arrive. Non, je crois qu'il est surhumain, c'est. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alex, ça nous perd comme hier. Et bah, moi, j'y vais. J'y vais. Ah, personne n'y suit. Pardon, parce que viens, c'était on retourne quartier 1. On back, on retourne sur le quartier 1. Ouais. Parce qu'il va repop avant, je pense, ils l'ont pris avant. En fait, c'est tout le monde fait ça, toi. C'est les extérieurs et ça revient vers l'intérieur. Mais sauf qu'il y a masse monde sur le quartier 1, en fait. Donc je me tâte à rester sur le quartier 2, parce que tu vois, il y a du monde. Sur le 1? Bah, non, faut aller sur le 5 alors. Sur le 5 y'a personne, faut y aller. Ouais. Ils sont 3 sur le 5. Ouais mais ils sont 25 sur le 1. Donc autant essayer de dispatcher pour aller filer un coup de main sur le 5 quoi. C'était on s'est barré du quartier 2, y'a quelqu'un qui va le reprendre. Tiens sur celui d'à côté, mais en décale. Y'a déjà quelqu'un qui a décale. Parce que là y'a besoin d'un coup de main, attends je vais le prendre. Alors c'est vrai, y'a déjà quelqu'un dessus. On va aller l'assister, oui, parce qu'il y a du monde. Allez, dégage. Double kill.
Reviens ici, Jacqueline, faut qu'on discute. Je crois que ça a chopé le 3. Là, vous pouvez choper le 2. Hein. Ouais, voilà. Ça prend. Non, c'est bon. Ah, moi j'ai chopé le quartier, on va le prendre. Ouais, vous êtes beaucoup. On est tous sur le quartier au-dessus là. Quartier 5, 1, ça remonte sur le 5. Ça remonte sur le 5. Faut qu'on remonte sur le 5 là. Ça va okay, on va choper sur le 1. Ouais, le 5. Toquer sur le quartier 5. Ouais, ils sont tous dessus. Non, donc ils sont 5. Le 3, vous pouvez l'avoir. Il y a un gars qui est tout seul en face de vous. Vous pouvez choper. Ouh, ça sent pas bon si je fais ça. Ça descend, ça descend. Ça a tout décalé, ça a tout décalé. Ça va mourir. Oh là, oh là, madame, laissez-moi partir. Non, non, non. Bouclier, bouclier magique, bouclier magique. Extense, extense, extense. Mets un coup de glace, Jacqueline. Cours, cours, clic, cours. Mais ils sont tous sur le 5, là, descendez. Cours, ouais, bah, descendez, descendez. J'ai voulu dire un coup de glace tout seul. Non, non, ils sont proches de ça que t'as mouru, toi. Moi, j'ai mouru de façon irrémédiable, vous voyez. Du style. Il y en a un qui a crié big up au gaming live. Ah, pas fait attention. Et spoté dans le chat. Loody Moon. Pour le quartier. Non, j'ai fait un assist. Quartier 4 a l'air compromis. Bon, le 1 et le 2 ça a été pris. Je descends sur le 3. Et quartier 5 ça va être créé. Quartier 5. Le PVP me semble bizarre. Ouais, c'est un peu space, mais c'est sympa qu'il y ait les objectifs en fait. 3 va pas descendre. Je le prends, je vais faire des points. Oh non, salaud. Tuez-le, cassons-nous, laissons-le tout seul. De back. Ah, il l'a pris. Et vous, ils ont vu qu'on l'avait. Le 4, ça pop ou... Ah, le 4, ça va tellement sauter que le truc il va pop. Ouais. Il y a un mec qui nous attend derrière. Le 4, il y a personne. Ça se rapproche. Faut départer. Allez, go à l'attaque. Essayez-le moi. Allô, je vais faire des points. Vous n'avancerez pas là-bas. C'est Refa qui tombe. Si tous ceux du quartier 1 sautent sur le quartier 2, ils le prennent. Il y a du monde au quartier 1 du coup. C'est chez nous. Ça remonte sur le quartier 1, ouais. Sur le quartier 5. On va remonter sur le quartier 5. On a plus de facilité à être en hauteur. Surtout, je suis sûr que je peux casse de si les mecs sont assez près. Non, tu peux pas. Non. Chier. Alex, tu es mort de façon inopinée. Oui. De façon définitive. Enfin, pas vraiment parce que j'y reste. Ok, on va choper le quartier 5 là, c'est en train de se battre. Il y a moyen de les. Non, on arrive en force là, on est plusieurs dessus donc. Ah, Musa il arrive, il prend que les objectifs en fait. Il se fight pas du tout et donc il finit premier en prenant que les objectifs. Bah en fait non, l'autre était en train de courir, je lui ai dit j'ai pris l'objectif puisque de toute façon ça mènera pas. J'ai besoin d'un coup de main. C'est du style maintenant Musa, juste en dessous. Attends, parce que là on a un archer sur nous. Sur le 3. Bah ouais, c'est vrai, il est parti. J'ai besoin d'un coup de main sur le 3 en fait. Du style maintenant. J'arrive. Je t'appuie, silence. Magnifique, merci pour ton coup de main. Oh là, dans ma gueule, ça arrive. On s'est pris déjà, c'est pris. J'ai plus de barrière. Je vais glacer. Oh, il y a une archère là, elle m'a mis tellement. Je suis mort, là je suis instant éclaté, mais au moins on les a pris. Mais au moins on l'a pris. On est à 122, ils sont à 45. Elle est devenue invisible l'autre. Elle est peut-être morte. Je fais quoi si je saute dans le vide? On a fait personne sur le 5. Hein. Il y en a un. En plus, on a de l'avance de points, ce serait bien de la garder. Oh, c'est fumier guerrier. Level combien? Je suis level 13. Mais en fait, tu vois, mes PV ont été augmentés en PVP, vu qu'on est tous ensemble. Donc ceux qui sont plus haut level ont tout leur cast. Et tout leur passif, surtout. Ouais, les passifs, ça change énormément. Ah bah oui. Moi j'ai un passif qui en fait le guerrier, plus tu tapes et plus t'as ta furie qui augmente, comme dans souvent tous les MMO. Et en fait là j'ai un passif qui fait que ma furie elle se recharge
hors combat. T'engages le cac ou pas? Non, moi je suis dans le tas dès que je peux. Bah, va falloir. On a le double de points, on est un petit peu tranquille. On a 100 points de plus. Quasi maintenant. On est 4 contre 5. Hein. Go, 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 dans le tas, dans le tas, dans le tas, dans le tas, dans le tas. La boubou et je vais faire du de la haut un petit peu, hop hop. Tu es tout seul? Ah non, je suis avec toi. Enfin, je suis avec toi. Je suis avec toi du style. Aïe, ça pique! Oh là, t'as ma tête. Silence. Tac. Il en reste deux. Hein. Ah ouais, il en reste deux. Toi, je faut te caster, faut le caster. Ah non, ils sont quatre, faut pas laisser tomber, ils sont deux sur le truc là, ils sont deux sur le truc. Ils vont l'avoir. Non, pas eu. Non, non, ils l'ont pas. Hein. Tant que tu leur casses dans la tronche, s'ils prennent du dégât, ça annule tout. Hein. Faut que quelqu'un sur le quartier 4, mais il va se faire déborder bien, il va être tout seul contre 3. Celui du quartier 5 qui pourrait descendre. Oh là, oh là là, il est sous mort. Il essayait de prendre un peu en apesanteur. Ok, on récupère le quartier 3. Trouve bien. Bon, quartier 1, ça a l'air ouais, d'être c'est bon. Fait, c'est fait, tant mieux. C'est bon le quartier 5? Ouais, ouais, c'est frais, c'est pris. Ok, faut juste descendre là. On est à 194 et Tiens, je me file un coup de main. Le 3 il y a massement. Non, en fait, je m'en casse. Sur le. Sur non, le 3 le. Gagné. Oh, j'ai pris direct. Ça fait quand même pas mal, Fox, Pex. Hein. Eh, c'est qui est premier? I. C'est Foxin, MVP. Allez. Et moi, je suis au cliquette. Oui, je vais. Ouais, quand même 83 000 XP. What the fuck? J'ai fait 83 000 XP. D'accord. Tout va bien. Non, t'as 29 000, hein, 83 c'est l'auto dessus. Ah oui, d'accord. Et ça, en fait, là, c'est, je pense c'est aussi par rapport au niveau. Non, mais franchement, par contre, ça fait bien, Pex. Bah, niveau 59, le gars, oui, 83 000 XP. Tu prends, prends vachement d'XP quand même. Vous avez j'ai pris un level, quête, moi, je suis passé voilà. Level 15. Terminé. Ah, tiens, fini, je suis level 15, ça y est. Ouais, je suis level 15. Bon, oui. 56 000. 56 000 XP. Ouais. M'a donné. Je suis level 15, là, ça y est. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je récupère des plumes de harpies et que je tue des harpies? Ok, dans tous les cas en fait je tape dans des harpies. On va juste ressortir Naemera. Viens là mon petit loulou. Tiens, bonjour, excusez-moi. Vous avez des plumes pour moi? Non, pas de plumes. Les plumes ça a l'air d'être dans les nids. On va éclater d'abord les harpies. Musée est tellement grand qu'il est ridicule sur sa monture. Quoi, laisse ma monture tranquille. Moi j'ai un sac à dos sur ma monture. On va récupérer des plumes. D'ailleurs, level 15, tu peux ouvrir ta boîte et tu chopes l'âme améliorée. Ouais. Comme celui que j'ai là actuellement. Tomber. Hein? Tiens, on va faire ça. Bouge pas. La boîte, c'est quoi ça? Plume de harpie, ok. Coffre de nourriture de la victoire, level 13, ok. Et ça c'était level 15. Où j'ai un boîte de lama 3 jours. Allez hop, fais-toi plaisir. Le lama amélioré, qu'est-ce qu'il fait le lama amélioré? Un sac, ouais. Youpi. Excusez-moi, l'harpie, vous voyez pas que je suis occupé là? Non mais sérieusement, je suis dans mon inventaire, madame. Y a vraiment aucun respect. Hein. Voilà, on va se casser de là parce qu'on est en plein milieu du pop de harpie. Et on va regarder ça. Bonjour, excusez-moi, j'ai fini ma quête. En fait, tu te fais moins repérer. Donc le lama amélioré, on va le mettre, tiens, c'est un 3 jours, on va le mettre en F1 à la place, voilà. Ça c'est mon coffre de level 20, j'ai encore plein de trucs, je sais même pas ce que c'est. Cette potion me donne combien? 8 de PV. Vas-y, je la jette. Fous-moi le camp, à un moment donné... Ah la petite, ouais. Ouais, même là, 8 PV, allez, fous-moi le camp. Alex, tu verras, tu sais, tous les petits joyaux mineurs, ouais. Peridot, rubis, saphir, tout ça, c'est un peu comme dans Diablo. Tu peux les combiner faire un supérieur, etc. Dans tout ça, je sais pas ce que c'est, mais on va le mettre là. Ça, c'est un coffre mystérieux de runes. J'ai chopé une rune niveau 2. Ok, si tu veux, c'est super, je suis trop content. Ok, on va voir après. Je m'en sors pas, ils sont trop petits les sacs, ça c'est chiant, c'est toujours trop petit. Donc, il faut que je récupère ta plume. Poussez-vous, il me faut des plumes. Là-bas, il y a un nid. On va aller là où il n'y en a qu'une seule, comme ça, pas trop m'emmerder. Les hita. Merci, à bientôt. Au revoir. Il va me rester. Ah oui, il m'en reste pas mal en fait des plumes à prendre. 2. On va chercher celui-là. 3 et 4. Ce sera très bien. Alors.
3. Un petit dernier. Et il y a Loli Monon qui dit coucou Alex et coucou Lolo. Ah merde, je vais écrit Z. Non, je vais fermer. On va reprendre celui-là, comme ça va pas trop nous saouler. C'est juste à côté de la quête. On va aller chercher ça. Alors. La luminosité du jeu est... ce que j'apprécie en même temps, je pense que ça doit donner de la migraine quand tu joues un peu trop longtemps. Le jeu est très lumineux, et de ce fait-là, du sang de Matrone de Harpie. Matrone ! On va te déboîter, Matrone ! C'est parti à l'attaque. À part, faut que je la saigne, je crois. Oui, tu utilises la seringue sur son cadavre. Bon, les quêtes sont pas d'une grande complexité, hein. Vraiment. Que puis-je faire pour vous ? Bashi va chercher ça. Ramène le pain. Mais je pense que ça va être comme ça jusqu'au level 60 si vraiment le plus gros du jeu commence level 60, comme la plupart des MMO. Ouais, ou même sur Aura, t'as différentes choses. Sur WoW, tu peux trouver certaines complexités que t'as pas avant, etc. Mais. Parlez à Crawford. Il est où Crawford ? Et puis Cindy ? C'est Cindy, il est Crawford. Elle est Crawford, Cindy. Mais vraiment. Il est amélioré en quoi le pépère ? Il court plus vite, c'est ça ? Ouais, il a une armure. Tu aggro moins les. Ah, d'accord. Je vois pas la diff, mais. Alors. T'as dit le type qui lui MP une game, la vache. Ah non, c'est pas une vache, c'est un type. Un mec. Et C'est toujours comme ça les gens me MP. Ils veulent ma peau. C'est quoi le nom de la team sur le jeu? Team Click pour changer. On va aller voir Crawford. Crawford, reviens, c'est derrière toi, Alex. Il est derrière moi, Crawford? Ah oui, merde. Oh le con, j'ai looté Crawford. Crawford était tellement Crawford que. Mais dis donc, je t'avais pas vu, Crawford aventurier. Qu'est-ce que tu fous là? Oui, bah c'est oui, oui, c'est pourquoi. J'ai failli te louper. Alors, tu me donnes des quêtes, on va voir ça. Tuer des varans, ok. Récupérer des œufs de varans, ok. Et les saliens, ok. Tiens, je vais juste récupérer un petit cactus. J'adore ça le cactus. Oh, tu fais des escrocs, cactus. Oh, chaloperie. Je vous laisse vous battre ici, je vais me battre dans la zone d'après. Donc, attends, le cactus il marche, il a l'air de repop vite. Parce que si il marche. Non, il marche pas. Du varan. Et du salien. Bonjour, vous êtes un salien? C'est pas vrai. Tu sais, c'était nul, mais. Oui, ouais. Mais... faut aller dans la zone d'après, hein, y'a des mobs. 4 sur 6, il faut que je récupère des œufs aussi. C'est quoi? C'est sur les varans? Attends, y'a un salien là. Salien! Des œufs de varans, j'en ai 2 sur 3. Tiens, des herbes, prenons de l'herbe! C'est qui fait le jeu? C'est Aria Games qui fait le jeu, qui est fait notamment, si tu te rappelles Antoine, Aura Kingdom. Mais pas que, hein, c'est pas leur seul jeu, mais en MMORPG en tout cas. Oui, un varan. Un varan, sachant varer. Les saliens. Bon, ah, il me reste encore à tuer du salien. 4 sur 5. Il va me rester un salien. Et ça sera tout. Ben voilà. On doit être à une ou deux zones de la capitale. Cool. Ça, non, on devrait avoir un gars qui va nous donner 4 PVP encore. Ah, et encore une 4 PVP?
Ah bon? Ouais. Ouais. Tu me diras, ça rapporte bien le PVP. Hein. Tu passes pas, c'est pas si long que ça, et à chaque fois tu fais masse XP quoi. Donc en fait, vous pouvez finir toutes vos zones rien qu'en faisant du PVP. Hein. Pour information, c'est possible. Les niveaux, ouais. Vous pouvez leveler rien qu'en PVP. Faudra reprendre au moins une quête principale quoi, mais. Ah oui, c'est ici qu'il la donne la quête PVP, mais tu crois qu'il nous la redonne vu qu'on l'a déjà faite? Ouais, il nous la redonne. Ouais, là, c'est à finir vos obligations, une sur deux. Vous avez besoin d'aide? J'ai pas besoin d'aide, je te rends une quête, Jean-Claude. Déjà, tu te calmes, je te le dis tout de suite. Alors, c'est lui qui avait besoin d'aide. C'est toi qui avais besoin d'aide, chasseur. Bonjour. Je vais pas faire ton taf. Que puis-je faire pour vous? Je te ramène du Varan, mon pote, et des autres Varan. Bonne cuisine, des bisous. Alors, vous, eh ben vous, je vous ai plus là. Eh, vous, là, vous. Oh, trouvez Trunks! Il est ranger. Oh lol. Trunks, on t'a trouvé! Trunks, le ranger. Enchanté. Il est enchanté en plus, et il veut qu'on chasse des guépards, Trunks. J'en parlerai demain, tiens, au studio. Je dirais, pourquoi tu veux que je chasse des guépards? T'as craqué ou quoi? Je crois qu'on en trouve beaucoup des guépards à Nantes, Trunks. À un moment donné. Qui c'est qui a lancé? Non, c'est moi qui ai lancé, j'ai pas fait exprès. Donc, sac à dos de voyageurs. Ta-ta-ta-ta-ta. 43 mètres par là. Allons-y. Violent guépard. Ah, oh, qui c'est qui a gros ça? Barons-nous alors, on en trouvera plus loin. Voilà, un violent guépard. Oh, Musa, il lui a mis un headshot. Il l'a coupé en deux. Je sais pas ce que c'est, mais ça le sent bien. Voilà, sac à dos. Faut en récupérer 5. Le minerai, je vais le prendre. Jamais trop de minerai. 100 quêtes à peine pour niveau 15. Ouais, ouais, ça va assez vite. Hein. Mais c'est un parti pris. C'est un parti pris à Aria Games. Hein. On le voit sur leurs autres jeux. C'est clairement un parti pris. Hein. Par contre, chez Aria Games, quand t'arrives vraiment plus haut level, après t'en chies. Je trouve que t'en chies plus que sur certains autres MMO. Là, la vraie difficulté hein, au niveau des raids et tout. Je crois que je vais éternuer. Je crois. Attendez, je crois que... Je sais pas, j'hésite encore si j'éternue ou pas. Avec combien des violents guépards là? Sac à dos, les guépards c'est fou, faut que je récupère des sacs à dos. Sac à dos, sac à dos. Les guépards ils ont bouffé les maîtres mais ils ont laissé les sacs à dos. Je crois que comme on est plusieurs dans la zone, là, les sacs à dos ça va être rigolo. Reviens vers le début. Il y en a deux ouais, là où il y a Musa. Il m'en faut encore 4. Ah mais encore c'est compliqué parce que Myrana je crois qu'elle est sur cette quête. Soit tu me diras t'attends 5 minutes elle l'aura fait quoi. Il y en a qui disent le jeu est trop casu. Ouais, mais ça permet aussi aux gens qui ont envie de découvrir du MMORPG. Ouais, c'est ce que disait Mnato, apparemment. C'est bien le côté casu. Permet à des personnes n'ayant pas le temps, qui veulent quand même profiter de ce genre de jeu. Ouais, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve ça bien, en tout cas, qu'il y ait une partie un peu... Et casu jusqu'au level 60. Et après, on en reparle parce que ouais, au level... souvent dans les MMORPG de chez Aria Games, ça commence à être la prise de tête où ton stuff et c'est au poil de cul, il y a tout qui est au poil de cul. Voilà. Alex, regarde ce que tu as débloqué en passif. Oui, c'est pas faux. Moi j'avance mes quêtes comme un tarte, c'est vrai que je suis 15 donc je vais pouvoir acheter du. Enfin, je vais pouvoir prendre du passif. Bonjour. Je vais rendre ces quêtes au moins. Hop, terminé. Bonjour. On va prendre de la quête. Donnez-moi des quêtes s'il vous plaît, monsieur. Vérifiez votre sac à dos. Trunks, là, à chaque fois j'ai du mal à interagir avec toi. Voilà, j'ai ramené tes guépards. Trunks, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que je tue des gens, quoi. Tu veux que je tue les concurrents. Bravo. Bel esprit Gaming Life. Bel esprit, Trunks. Alors, on va déjà regarder ça. Passif. Alors, explosion de flamme. Inflige 50% de l'attaque de dégâts de feu à la cible une fois l'effet offrande de flamme. Bah oui, bah oui. Bah oui. Ça, c'est pris. La boule de feu. Inflige 50% de dégâts supplémentaires aussi. Le souffrant encore de dégâts continus infligés par précédente boule de feu. C'est quoi cette boule de feu? Ah, c'est celle-là, ok. Donc ça fait partie de ce que je balance. Boule de feu de base.
Ah ouais, c'est ce que je balance très vite, donc oui. Oh que oui. Ok. Ça c'est chose faite. Qu'est-ce qu'il y a, Humbert? Qu'est-ce que tu veux, Humbert? Humbert avec ta casque d'ours. Vous avez besoin d'aide? J'ai pas besoin d'aide, c'est toi qui me donne des quêtes, arrête d'être con. C'est fou ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, si ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur avec le ça, champ toi de bataille, les gardiens des âmes divisés en deux équipes. Ah oui, il est en train de me présenter le PVP. Trop tard, Jean-Claude, on en a déjà fait. C'est peut-être prendre un vendeur. Il y a un vendeur là-bas? Ça, c'est du 110. Et ça, c'est du 110. Faut pas chercher à comprendre. Ça, c'est du 40. D'ailleurs, le 40, on va mettre à la place du 110, s'il vous plaît. Voilà, où il me dit j'en ai 23. Voilà, on va ranger un peu. Est-ce qu'il y a un vendeur? Il y a bien un vendeur dans tout ça. Enquêteur, colporteur, colporteur. Tu vends des trucs ou pas? N'oubliez jamais l'esprit de Celestia. Reprenez voilà. Votre liberté. Calme-toi, calme-toi. Chasseur de trésors, ranger, épicier. Madame l'épicière, je vous appelle en cas de besoin. Je voudrais vendre ça. On va vendre ça, on va vendre ça. Ça, on va attendre. On va le vendre. On va le vendre. Je sais que c'est le meilleur, mais c'est pas du pierrot. On va le vendre. Vas-y, vends-moi ça, ça aussi. Ça, c'est un minerai de pierre. Ça, c'est des bandages. On va les garder ici. Essayer de ranger un peu. Ouais, les bandages, je prends pas les bas niveaux. Hein. J'ai du bandage qui rapporte 20. Ah ouais, bon, vas-y, je vais te le vendre. Voilà, au revoir. Les kits de fabrication d'anneaux de l'équilibre et de collier du pèlerin, on va se les mettre de côté. Ici, tranquille, où t'as vu. Ça commence. On commence déjà à y voir clair. Merci, madame. Ah, si, j'ai peut-être réparé mon stuff, madame. Non, je ne sais pas. Pouvez-vous réparer? Voilà, merci. Je suis à une demi-pièce d'or. Voilà, on va mettre le collier. On va mettre ça ici avec les pierres et tout ça. C'est quoi ça? Minerai de pierre noire impure. Ok, merci à vous. Des bisous. Ok. Mon inventaire, sinon il ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est? Bandage à 18, on va vendre. On s'en fout. Bandage à 20 aussi. Madame, faut que je vous envoie en fait. J'ai encore des articles à vendre. Voilà. Parce que sinon, il y en a partout dans mon inventaire. On n'y voit plus rien, madame. C'est foncièrement dégueulasse. Alors! Alors. Hey, hey. Allez, on y va. On y va. C'est parti. Il y aura la pub hein, d'ici quelques minutes aussi. Merde, tu peux allumer, quête. Sur le chat, ça parle pas mal du système de BR sur Arc. Oui, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas. On peut pas tout faire en même temps, en fait. Quand je prévois un planning, j'ai bien m'y tenir aussi. Donc, même s'il y a des actualités qui changent, on y reviendra. Ne paniquez pas. Là, actuellement, on fait, je vous ai dit, Echo of Soul aujourd'hui. Demain, ça sera le spécial PlayStation 4 War Thunder en direct des studios. Jeudi, ça sera la présentation du jeu Dirty Bomb, qui est assez fun et qui est free to play. Et... Et donc, vendredi, Echo of Soul. Vendredi, Echo of Soul en plus haut level. Alors, et j'en suis où? Récupérer les possessions. Je vais bien positionner, mais... Attends, je vais tuer dans l'idée. Alors, je vais te tuer, le temps de voir si ça rapporte quelque chose. Voilà, tombe, s'il te plaît. Voilà, donc, il faut 17 mètres, on va aller par là. Comment c'est dans l'autre zone. Tuer Suyani, tuer Brosper, etc. Ou quoi, ça change tout le temps les boussoles. Ah c'est ça non? C'est quoi ça? C'est du minerai. Donc faut que je tue des pillards en fait. Oui c'est ça, d'accord, tout simplement. On va arrêter d'être con. Live ce soir sur ta perso, nous dit Liane. Je crois que les modérateurs ça fait au moins 20 fois qu'ils te mettent un lien. Avec un planning en fait, www.netflixtv.fr, rubrique planning, tu as le planning des lives. Si tu ne vois pas de live le soir, c'est que c'est pas prévu. Le live sur ma perso, c'est tous les lundis soirs de façon certaine. Le reste, ce n'est que du bonus. Donc, il y a rarement du live le soir, parce que je le répète, j'ai ma fille, etc. Et à un moment donné, je profite aussi.
Demain tu te lèves tôt, tu vas à Paris. Demain je suis, j'ai le train à 7h direction Paris au studio. Attends, et toi tu commences clairement à me les brouter. Merci. Donc non, le live le soir, c'est pas le lundi soir, c'est sûr. Le reste, non. Et vous savez, en fait, des fois les modos ils vous disent des choses qui sont importantes. Enfin, il faut les écouter, les modérateurs. Et quand ils vous donnent des liens, des informations, des indications, des bonus, ils savent ce qu'ils disent. Ce sont des gens compétents. Toute l'équipe de modération Gaming Live est ultra compétente. D'ailleurs, je les embrasse très fort à la modération. Allez, salut Alex, pour demain sur War Thunder sur PS4, tu commences à zéro ou tu reprends une partie déjà commencée? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas eu la PS4 en main, je n'ai pas de PS4 à la maison. Et de ce fait là, c'est pas moi qui ai installé le setup. Donc je vous dirai ça demain, j'en ai pas la moindre idée en toute franchise. Donc je ne sais pas ce qu'on fera demain. Je vais arriver au studio vers 10h, j'aurai 2h devant moi pour préparer ça. Et préparer aussi pour le jeu qui sera déjà sur la matinale avant et qui me rejoindra après normalement, si j'ai tout compris. Donc... là que vous dire, à part on verra demain, je n'ai pas la moindre idée, hein, en toute franchise. Si j'avais une PS4 à la maison, j'aurais pu préparer, et c'est pas le cas. Faut que je tue Cyanide. Cyanide ? Oh. Ouais, c'est un guépard. Faudra plus de la filer direct. Non, mais je suis pas revenu encore. C'est juste que je suis hyper long à faire mes quêtes là. Je regarde le chat un petit peu. Je l'ai pas regardé depuis le début de live, donc voilà. Donc de ce fait là, j'en profite. Emerald qui se fout du chat, qui fait les mecs sont tellement en mode repeat. C'est un peu le cas des fois, il y a des jours avec un chat repeat. Allez, on va faire le rapport, on va en profiter aussi pour marquer la pub, mesdames et messieurs, 5 minutes de pub. Ça ne vous coûte rien, ça vous permet de faire une petite pause mentale. Nous, on en profite pour faire pipi, et en plus, c'est rémunérateur, vous voyez. Pas belle la vie? Non. Ah merde, c'est con. Mais là, je suis pas en voiture, c'est Alex, il va se manger un mur. Bah, je suis en lama, moins dangereux de me prendre un mur en lama. Au pire, c'est le lama qui bouffe, mais bon, pas d'airbag sur le lama. Bon, Trunks là. Vous voulez vraiment continuer? Bah oui, je veux vraiment continuer, Trunks. J'ai une tenue pyro de magicienne que j'ai looté. T'as looté des trucs de magicien là? Ouais. Bon, pas sûr que ça... ça soit beaucoup mieux pour toi, mais. Je vais dire ça très vite. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on voit ça. Ah bah, t'es juste ici ou pas? Je suis pas loin, je suis à 100 mètres. Pas intéressant. Souhaitez accepter un échange. Ok, accepté. Je dis oui. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Un rubis mineur. Ah bah oui, bah je dis oui. Merci monsieur. Merci Wataba. Ça doit être un viewer. Bah merci Wataba, des bisous. M'offre des rubis comme ça. Un rubis mineur. T'en cherchais un tout à l'heure. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en cherchais un. Bah je vais pouvoir l'équiper. Fox Sarah souhaite vous échanger des choses, oui. Il doit être elle est là. Bon, c'est pas sûr que non. Ce soit une. Non, non, tu non, je peux la garder. Non, bah de suite là, bon là. Elle m'intéresse. Mais hier, j'ai goûté, c'est un costume pour magicienne. Allez. Bon, mesdames et messieurs, vous ne quittez pas. On marque une courte page publicitaire, on se retrouve après. Juste après la pub pour la suite des aventures compagnie de Foxy et Musaren. On est ensemble jusqu'à 15h, on est à la moitié live. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ne quittez pas, on se dit à tout de suite. Il est 13h36 et vous regardez Gaming Live. Qu'est-ce que tu m'envoies, toi? Ah, tu veux qu'on se purifie? Ah bah oui, on va se purifier, Fox, ne quitte pas. Bah oui, purifions-nous. Bah oui. Ah, me purifier. Merci, Foxine, j'ai été content de me purifier avec vous, dites donc. Bon, sinon, vous êtes toujours sur Gaming Live, je suis toujours Click, je suis toujours avec Foxine et Musaren. Nous sommes toujours sur Echo of Soul, ce Meporg, Made in Area Games, où nous continuons la phase de leveling. Level 15, ça va, on est tranquillou, pépère. Et on me dit, vas-y, fonce, vas-y, Jean-Pierre, fonce, tue des guépards. Ok.
Voilà. J'ai tué des guépards. Qu'est-ce qu'il faut que je récupère? Parce que si je lisais... Donc, 28 mètres, c'est là-haut. Allons-y. Prenons notre petite monture. C'était pas du tout tuer des guépards. Je ne sais pas lire. C'est pas... Oui. C'est un... Le chef des guépards a tué, donc tu l'as... Non, c'est déjà fait, là. Je dois récupérer les statues abîmées, les sacs miteux. Voilà, comme là, par exemple. Hop. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Moi je tape avec Fox, je sais pas ce qu'il tape, mais je tape. Moi je tape les golems pour toi, en fait les sacs mythos sur les golems. Et t'as les modes de poussière au sol, tu dois fouiller dedans. Sac abîmé, sac mythos, ouais. Statue abîmée aussi. J'ai des statues abîmées à faire. Oh là, oh là, oh là, j'ai eu un freeze. Méchant, méchant le freeze. Que se passe-t-il? Bah, ça dit plus besoin de savoir lire sur les mémos, il suffit juste de suivre la flèche en mode. Ouais, de c'est ça. Parce que pas fou. Mais oh, dans Rakidom, je crois que c'était le pire. Hein. Tu cliquais sur la quête et le bonhomme il avait tout ça. Et ça, c'était abusé. T'avais juste, tu juste allé dessus quoi. Ok, 3 sur 4 pour les statues abîmées. Golem de site historique. Qu'il va me rester des statues abîmées. Attends, là il y a un truc à loot. Je peux loot. Non, c'est des plantes. On s'en fout. Ah si, non, on s'en fout pas, c'est ma quête. Bonjour monsieur, excusez-moi, je fais que passer. Elle était où cette plante? Elle était là. Voilà. Il est tombé avant que je puisse faire quelque chose, quoi. Monsieur, il n'y en a pas un de vous qui est lootable. Si vous, vous êtes lootable, je vous sens lootable. Gagné. Non, en fait, tu n'étais pas lootable, mais j'avais déjà tout fini. Alors, allons-y. Retournons. Ah, vous avez une nouvelle quête. Attends, donne-moi une quête. Vas-y, qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est le... Tuer le génie des airs à 142 mètres. Ah, il est loin. Oh, vite fait, il fallait retour. 140 mètres, ça va. 140 mètres, ah, attendez, si avant que l'aggro, moi, du coup, j'ai pas eu la quête. 80 mètres. 70 mètres, il est là, il a été aggro, il est à midlife. On peut le faire, Musaren. Nous pouvons vers l'infini et l'au-delà, il est aggro que par une personne qui le descend tranquillement. Attention, on va être à portée. C'est parti, mon kiki de la portée. Attends, Alex, arrête de taper, j'arrive. Ah, trop tard. C'est bon, t'es là? Laisse-toi, hein. Tu es là dans. Ah, t'es deux là secondes. Dans, c'est foutu. Tape. C'est beau ça. Il est arrivé comme une flèche. Ah, il est arrivé comme une balle. Donc, on va y retourner. C'était juste, hein. Yep. Ouais, super, allons-y, un parchemin de soins. Oh là, attends, il y a une quête ici, monsieur. Je vous vois sur la carte. La caméra m'énerve, alors des fois, je l'utilise pas. Oh, je vous ai vu. Il y a pas une quête, là? Il y a une quête ici, monsieur. Ah, bah vous êtes là. Habitant blessé, vous allez bien? Je peux pas abandonner. Non, n'abandonne pas. Tuer les guerriers écrase-fer. Oh, bah attends, d'abord, je vais rendre mes quêtes, Jean-Claude, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et puis, à partir de là... On y va. Mais d'abord, je vais rendre la quête. On va juste s'arrêter là parce que c'est bien ça. Prenons du minerai de cuivre impur. Quand même ma quotidienne, c'est censé être une quotidienne, je commence sur 30. Tout va bien. Mais ils sont où? Faut que je livre à Ralif et Ralifa là. Ralif et Ralifa. Et ils ont été. Ah, ils sont juste là, ok. Bonjour Ralifa, ça va? C'est une dame? Ah oui, c'est une dame. Bienvenue. Ok, je livre à Ralifa les deux en fait. C'est juste que le premier était bugué. Ça y est, vous êtes level 16, monsieur. Ça me manque. Récupérer des vieilles tablettes. 3. On va se faire les 3, puis c'est tout. Une première. Là, il y a une complexité absolue dans le leveling, les gars. Non, franchement, c'est cool. Tu te prends pas la tête.
pas une petite fille que tu joues, mais un nain. Ben non, je joue pas un nain, genre d'une personne de petite taille. Et alors, Tolkien, il disait des nains. Ah, c'est pas pareil. Les nains, c'est les nains. Sinon, Alex, c'est quoi ton top MMO? Oui. Oh, le MMO, je vais, c'est pas mon top MMO, c'est compliqué, mais le MMO sur lequel j'ai le plus joué, c'est WoW. Tuer le vieux golem. Qu'est-ce que c'est que ça, pilier de ruine? On va être activé, toi je le sens bien. Je sais pas ce que ça fait. Je crois que ça active le vieux golem, c'est ça? Gagné! Maman, il y a un gros golem! Monsieur le golem. Pour des raisons de sécurité, je vais être obligé de vous tuer parce que vous avez masse PV. Voilà, couché. Tu dis quoi? Tu dis couché, merci. Ralifal, j'ai tué le golem, qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'aime pas du tout cet endroit. Bah tu m'étonnes, mais Ralifa, tu es là pourtant. Oh, Ralifa, je sais pas si c'est fait Ralifa, mais elle m'a donné plein de quêtes, Ralifa. Hyper sympa. Venez ici, vous, comme ça je fous ma tablette là. Est-ce que j'ai, est-ce qu'il y a des têtes intéressantes? Non, que dalle. Tout ça, ça va partir à la vente, mon pote. J'aime bien la musique. On entend plus Foxy et Musa, je peux, ils sont perdus dans leurs pensées. Non, je regardais un truc en fait, une compagne. Parmi eux. YOLO! Faut que je tue des roquets écrasse-fer et des guerriers écrasse-fer pour le villageois qui va pas bien. Ah, il est re là, l'esprit d'air colérique. Non? Pas le même. Pas le même. Ah bah voilà, guerrier écrasse-fer. Oh, il m'a écrasé le merdier. Putain, mais arrête de m'écraser, Jean-Paul. Oh. À un moment donné, on se respecte tous les deux. Vas-y, écrase-moi là. J'ai le babouboule magique. Bon bah tu meurs. C'est bon, j'ai étouffé, on va aller parler à Théo. On va aller voir Théo, ah tout le monde veut qu'on voit Théo. Il a l'air sympa ce Théo. Musaraigne pendant ce temps là bâche tout ce qui bouge. Il est comme ça ce Musaraigne. Portail enregistré. Portail enregistré. 0 XP les bonhommes. Eh oui, c'est ce que c'est dit sur le chat. Je perds pour 1 des XP. De... Oh, d'accord. Tu perds de l'XP, c'est ça? Non, non, 1 XP de Name, c'est des petits mobs. Ah, et on récupère l'histoire avec Théo. Ouais, là où il y en a encore des quêtes, prenons plein de quêtes. Faudra aussi qu'on fasse du re du champ de bataille. Monica, je me tâte à la vie. Pour pas la quête Monica, c'est une quête pour acheter dans la boutique. Ah oui, c'est... et j'ai deux quêtes chez Monica. Ouais, pour acheter dans la boutique. La première, tu peux la faire. Ah oui, d'accord, mais la 60, c'est 60, non, quoi. C'est 2005. Au revoir, Monica, bientôt. Ah, un cuisinier. Est-ce que je peux te vendre des trucs, mon petit cuistot? Oui. Allez hop. Tout ça, ça va à la jaille. Merci, à bientôt, merci d'être venu. Satiété 200, énergie 450, ouais. Les œufs au plat, non? Attends, je vais te les manger, moi tu vas voir. Allez hop. S'en fout, tout est à fond, moi je vais tout manger, comme ça au moins, plutôt que de jeter, c'est dommage, j'aime pas jeter. On va manger. Et l'énergie est revenue, hein. Faut manger pour... Faut être à fond en satiété pour récupérer ton énergie, c'est ça? Non, en fait, quand tu vas manger, ça va t'augmenter ton énergie, tu peux avoir jusqu'à plus 10% de PV d'attaque. Mais la satiété, quand elle est à fond, tu peux plus manger. Ok. Ok, je suis à 10%, tout va bien. Comme ça, au moins 10%, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, Jean-Claude? Jean-Claude, je sais plus. Ah oui, tu voulais que je récupère une carte douteuse. Qui est juste étrangement derrière le mur.
Tu vois, le mec il était pas capable de faire 14 mètres. C'est un grand chef de guerre. Mais faire 90 mètres c'était trop. Ah, il y a Monsieur Nox qui dit ouais, mais ce jeu n'intéresse pas grand monde, hein, je reviendrai un autre jour. Bah, il intéresse quand même plus de 800 personnes, Jean-Claude. Important. Le but c'est de la découverte. C'est avec Melee to Click, le but c'est pas forcément. Allez, où la carte? Attends, on va les poutrer. Oh merde, ils arrivent à 3. Connerie. Faut que je t'en garde. Ouais, ouais. C'est bon, j'ai eu la carte douteuse. Le but de Melee to Click, c'est pas forcément de faire un maximum de chiffres en termes d'audience, c'est de vous présenter plein de jeux. Il y a des jeux qui éclatent tout le monde, où on fait des top scores style triple A, et d'autres jeux qui vous intéressent moins. Il me semble important quand même de vous montrer des jeux comme Echo of Soul, parce que c'est quand même un jeu qui est gratuit déjà de 1, donc qui peut aller à la bourse de tout le monde, un jeu qui est installable sur quasiment tous les PC. Même des PC bureautiques en low, hein, pas en hyper hard, mais au moins c'est un jeu que tout le monde peut jouer. Voilà. Salut Maxine, ça va? Donne-moi ce qu'il faut. Je viens de voir que le jeu était un peu pay to win, surtout au niveau des enchantements, pour éviter que l'un se brise en cas d'échec. Bah écoute, j'ai envie de te dire que moi en tout cas j'ai pas trouvé. À part du cosmétique. Ouais, mais en fait c'est à haut niveau. En fait, quand tu associes deux gemmes pour l'améliorer, ouais, il y a une chance qu'elle se brise. Ouais. Faire tes gemmes. Et en fait, tu peux acheter des items, ça s'appelle les anti-casses. Vite en fait que le. Mais en quoi c'est pay to win pendant la fusion. En quoi c'est pay to win en fait? Bah... C'est pay to accelerate, parce que sinon faut le refarmer, mais c'est pas pay to win. Le fait d'acheter cet item ne se... Un pay to win, ça va être par exemple d'acheter une arme foutreusement fumée, qui en plus est utilisable en PVP et qui est OP, on va dire, de je sais pas, 50% de plus que les armes lootables, et donc que tu peux acheter. Donc ça veut dire que toi tu peux arriver avec 50% de plus de DPS dessus. Ça, ça serait pay to win. Faut faire la différence entre le pay to win, le pay to accelerate, etc. C'est un jeu qui est free to play, il faut bien qu'il ait un modèle économique dans l'idée. Faut que je tue des loups et macaire. Loup de prairie, bonjour, on vient pour vous poutrer, monsieur. Il faut bien faire cette différence là parce que il y a vraiment une différenciation entre le fait de dire bah eux ils ont leur système économique qui est du cosmétique, de l'aide, etc. Et le... tiens, je crois qu'on a trouvé Macaire. Ours doyen. Non, mais aujourd'hui t'as une... on va dire n'importe qui. Aujourd'hui, vous créez une société qui édite des jeux. Faites gratuit. Il y a un moment où vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche, d'amitié. Jean-Claude, reprends l'agro. Apparemment, il veut pas. Ah si. Il y a un moment pour bien... pour bien payer de l'argent, quoi. Je travaille pas gratos. Non, bah non. Mais... Et je trouve encore, c'est pas... Ah, c'est pas en plus, ils obligent pas à payer. C'est ça la différence. Tu peux quasi... Toi, t'as envie peux de sortir tout faire. Ta CB, ouais, tu sors tu peux ta tout CB, faire. Ça ne t'apporte pas de bonus. Tiens, loup des prairies, il m'en manque encore, je crois. Ça t'apporte pas de bonus, en tout cas in-game, qui te permet d'être OP par rapport aux autres joueurs. Même avec Fox, nous ça fait un petit peu plus longtemps que toi qu'on est dessus. On a sorti 0€, hein. Bon, après on n'a pas fait de haut level. Et puis comme c'est dit tout à l'heure, moi j'ai arrivé au level 60, j'ai fait un petit peu de HL, mais sans plus. Je sais pas. Mais ça fait déjà, tu te rends compte que si tu payes pas, ça fait déjà combien de dizaines d'heures de jeu où tu te marres bien, tu passes un bon moment, etc. Gratuit. En fait, je me rends compte des fois que les joueurs demandent à ce que les jeux en free-to-play soient aussi aboutis des fois que des jeux... Pas aussi aboutis, parce qu'il est tout aussi abouti. Oui, je sais que j'ai une compétence, Jean-Claude. Soit tout aussi maniable que des jeux payants. À un moment donné, il y a des choses qui sont pas possibles. Et je trouve que, en tout cas, Aria Games sur ses MMORPG s'en sort vraiment, vraiment très bien. Je trouve que c'est la qualité est présente. Alors après, c'est ce que souvent je reproche à Aria Games, c'est un manque d'originalité. C'est tout.
et une caméra qui m'emmerde. Mais à part ça, tu passes un bon moment, quoi. Du pyro, merci monsieur. Hop, et un coffre. Équiper tout de suite, on va vendre. Je jure de protéger la route ça, de la du crit. Et un jeu, c'est fait pour s'amuser aussi. Hein. Si tu passes un peu de bon temps dessus, tant mieux. Après, si le jeu, clairement, t'ennuies, bah. Désinstalle, tu passes à autre chose. Hein. Mais bon, au pire, t'as rien perdu, hein, à part un peu de temps. Bah, même pas du temps, parce que tu t'es marré, tu t'es amusé. Ouais, au moins, tu t'es fait une idée. Hop. Et salut, faut que ça arrête. Récupérer la déjection d'ours. Super, il veut aller chercher de la merde d'ours. T'es pas sérieux, mon pote. 5 merdes d'ours, je sais pas ce qu'il va en faire. Je veux m'enduire le visage avec. Bah, c'est bien, mais. Excusez-moi, monsieur le loup. Je loot. Ah, de la merde d'ours. Je la reconnaîtrai entre 1000. Oula. J'étais stun, je sais pas pourquoi. La merde d'ours, apparemment, ça stun. Mais l'odeur. Pas supportable. Un petit coup en passant. Je sais plus qu'il le fait, mais je file un petit coup. Non, c'est un qui est tout seul, mais je l'aide parce que je sais que tout seul il est pas évident. Ah, c'est surtout que si t'es caster, c'est ça qui est chiant. Lui, ça fait jamais de mal de donner un coup de main. Golden Pony qui dit le PEX c'est le tuto. Moi je suis assez d'accord chez Aeria, c'est leur façon de voir les choses. C'est-à-dire le PEX pour aller jusqu'au level 60, c'est un tuto géant. C'est tout. C'est comme ça que Aeria voit les choses, en tout cas en termes de me parg. Après, c'est à partir de 60 que tu commences réellement à y aller, quoi. Autant que ton stuff a pas trop d'intérêt avant le level max. Par contre, une fois que tu y es, moi je me rappelle dans Aura, quand t'es sur la fin là. Attends, chie des cacahuètes. Hein. Ok, mais il y a indisponible. La merde douce m'a quand même, mais quand même. Il est où l'autre? Oh, il s'est TP ou quoi? Je sais que j'ai un truc au cul, mais quand même. Zang, shérif de la prairie de Hund. Pourquoi moi j'ai pas eu l'animation où Zang y marche et on le suit? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Arnaque! Des joueurs ils font ça. Je dois faire plus de bonjour, on est 22 pour rendre la même quête. Donnez-moi en d'autres. Bonjour, frimin chercheur. Ok, ramasser du minerai, ok, ça c'est bon, récupérer rapport, ok, au transport d'armes de passerelle, et tuer Nagas, faut que je tue des Nagas. Nagas Hello, qu'est-ce que tu fais, mais t'es sérieux, tu vas le voir au cac, toi? Oh, t'as craqué mon perso. Non, mais sérieux. Voilà, Reine Nivina. Je pense qu'elle va me donner la quête après pour la Reine Nivina. Ce que j'aime bien par contre, c'est que tu peux faire une grosse partie des quêtes en groupe avec tes potes et ça compte, quoi. Ça te compte les... Ouais, comme souvent, comme faire des quêtes de groupe en fait. Le 6, elle est égale, tant qu'on y est, on tue la reine Nevina, on la refera après. Bon, ah, le tour, il m'avait rien rapporté. Donne 0 PX. Ouais, c'était histoire de la tuer. Bon bah, je vais rendre mon rapport. Bah, en fait, elle va donner autant PX qu'un autre mob, puis elle a autant de vie en plus qu'un autre mob. Donc... je vais juste récupérer le rapport avant, comme ça je vais tout rendre en même temps. T'as tué une truc là, en passage, non? De quoi? Les barbares là. Ouais. Oh là, mais on manque deux en fait, quand vous êtes passé à côté. Vous pouviez la faire, faites le temps de. Un gros truc, je sais pas. Musa va dessus, j'y vais. Je crois que c'est lui qui a le rapport.
gagné. Je sentais bien que c'était un gros truc comme ça et qu'il y avait de quoi nous donner le rapport. Franchement, pourquoi tu peux voter? Ah, tu le veux? Attends, bah vas-y, on t'aide. C'est toi qui es dessus là, non? Ouais, ouais. Il dit qu'il voit pas le rapport. Il dit qu'il a plus de genoux. Bonjour, je vous ai ramené votre machin là. Je voudrais du Pierrot, magnifique. Vous êtes bien gentil, ah, vous me l'avez ordonné direct sur des trucs comme ça. Vous. Que puis-je faire pour vous? Ok, on va s'équiper parce que on a un nouveau froc, je crois. Non, je crois que j'ai chopé quelque chose. Ah oui, c'est là. Une chemise de guerrier, mais. Parler à Naga affaibli. Aller voir Naga. Et on doit récupérer des documents, mais je sais pas dans quoi. Bonjour Naga affaibli. Cible non valide. Ah, je crois qu'il faut la taper avant. Lise le parchemin dessus. C'est fait. C'est fait, monsieur. Attendez, je vais lire mes quêtes quand même. Non, moi il veut pas. On va la refaire au pire. Attends. On va attendre là. Elle est là, là. Elle est revenue. On va la poutrer. Je sors sinon. Oh. La pauvre, elle a rien compris de ce qui lui est arrivé quoi. Bonjour. Pff, au revoir. J'en ai marre. Je t'avais l'idée le parchemin, toi, t'es sûr? Ah ouais. Je crois que c'est un truc, faut le faire chacun notre tour. Ouais. Parler à Flynn, non, c'est bon. Moi j'ai pu le faire en même temps que Musor. Yano Soussei. Apparemment il n'y a pas d'esquive. Pas sur mon perso, moi j'ai pas de. Enfin si j'ai une esquive ou deux, mais c'est pas les plus grosses F1. Esquives. Cet endroit est sans... Ouais, moi je l'ai mis en F2. Mais ou F2, ça dépend où tu le mets. Ça dépend où tu te le mets. Ah, que puis-je faire pour vous? Mais dis donc. Lol, attends, vas-y. Eh, t'as craqué ou quoi? Mais tout en auto, j'ai pas choisi. Et t'as craqué ou quoi? Je veux mon bâton pyro, s'il te plaît. C'est moi qui t'ai partagé les caisses. Ah lol, c'est pour ça, je comprenais pas, il y en avait partout. Mon bâton pyro qui est mieux, plus de perfos. Gardien, personne qui vend, qui achète ici. Forcément non. Hein. J'ai un truc, je sais pas ce que c'est. Effet énergie de satiété, un lard épicé. Cool. Je ne peux pas le manger, je crois que j'ai la satiété à fond. C'est à peu près ça, combien il y a de satiété? 200, bah non. Niveau insuffisant pour cet objet. Ah oui d'accord, je suis passé au level. Oui c'est level 18. Ok, je pourrais manger du lard level 18. Ah oh, je suis trop content. Vous le voyez à quel point je suis content? Alors, compétences, que je l'ai pas vu depuis un petit bout de temps. Vous me dites allez, c'est à des compétences. Ça on va le prendre. Bien sûr qu'on va le prendre. Et ça c'est quoi? Retour de flamme. On verra plus tard. Ok, ferme-toi toi s'il te plaît. Donc, parlez à Franck. Franck, tu es où Franck? Je vais voir Franck. On va chercher Franck. Franck? Francky? Eh, Francky Nounet. Oui, je trouvais Franck. Elle est jolie là. Ouais, les arbres derrière, ça fait... C'est sympa. Non, j'aime vraiment les décors, ils sont vraiment sympas. Bah, la zone que je préfère pour l'instant que j'ai vue, c'est une zone qui est. Qui peut... Vous un avez peu fait plus tard. Tuer Maître Crachu? Moi, oui, mais on peut le refaire. Bah, ouais, 110 mètres. Attends, bah là, il y avait un truc je à 25 mètres. Attends, de l'eau polluée, vite fait. Il y a l'eau polluée et tout. L'eau polluée, on la récupère quoi? Ah là-bas. Okay. Ouais, prends rien. Bah dis donc. T'es clean. Comment tu récupères de l'eau polluée?
Défense. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai encore chef de la base K-pop. Ah oui, tu me les as partagés, mais j'ai pas dû la prendre celle-là. Je vais plus vite que toi. À le prix. Fox, il est en train de prendre tout l'eau polluée, le salaud. Bon, je le connais. Reviens, reviens vers le donneur de quête en fait. Arpop. Ouais, ouais, ça va. Arpop. Ça, ça, ce que j'aime, c'est que ça repop souvent assez vite dans le jeu, donc ça va. Ne pas trop emmerder. C'est la mienne, hein. C'est monopolluée, monsieur. Et celle non, là-bas aussi. Qu'il faut, moi, elles sont toutes à moi maintenant. C'est toutes mes eaux polluées. Par contre, je sais pas si je l'ai fait ou pas. C'est une secondaire. Tuer Maître Crachu et les guerriers marteaux. Enfin, je regarde combien il rapporte. Bah c'est l'XP, hein, toujours. Bah oui. Surtout que t'as un mec à tuer. Ouais. Les autres ont. Ensemble, donc on va se les faire un peu rapidos. On va aller la faire en speed. Juste après cette quête-là, on marquera la pub. La pub. Et on sera ensemble jusqu'à 15h de toute façon. Don't worry. Oh, Binaga. Énergie brûlée. Puissance des buffs actifs également réduite. Fous-moi le camp. Ferme mon rapport à Bobby. Il est où Bobby? Ah, c'est pas au même qu'il faut faire le rapport. T'es pas sérieux. Si vous voulez mourir, je vous retiens pas. Si vous voulez mourir, je vous retiens pas. Bah, bah oui. On me retient pas, on me retient pas. Ok, allez, à voter, on va aller faire les... à 200 mètres, là, c'est le plus loin. J'ai tué l'expert de marteau de fer. Ah, mais là, j'en ai deux, en plus. Faut que je tue Maître Crachu, faut que je tue les experts de marteau de fer. Tout va bien, et les guerriers de marteau de fer. Bonjour, vous êtes un guerrier? Ah, bah, vous êtes mort, je le dis tout de suite. J'ai pas le temps, allons-y. Je dois Apex, monsieur. Du monde qui m'a suivi ou pas du tout? Bah non, on va attaquer l'expert marteau de fer. Attends, on a peut-être de l'autre côté aussi. Généralement, il indique le plus proche. Ah, ouais, tu te rapproches de nous. Ouais. J'y arrive, parce que là, ça m'a compté que d'elle. Pardon, monsieur l'éclaireur, c'est où la sortie? Ah merde, c'est pas du tout par là, faut que je fasse demi-tour. Excusez-moi, je fais que passer. Pardon. Bah, regarde ça, minimap en fait à la route, comme ça permet de pouvoir. Ouais, mais la route c'est pour les faibles. J'ai pas mieux que ça. Désolé, mais pas mieux que ça. YOLO! Je suis à 3, m'en manque 2. Manque de quoi? 2 marteaux de fer. Ah non, 3. Oh yeah! Oh yeah! Quand elle lance un sort, elle fait oh yeah! 5 sur 6, il m'en manque un. Voilà, vous ferez l'affaire, monsieur. Vous avez été tiré au sort par votre panel consommateur afin de mourir. Merci. Ok, on monte au-dessus faire les guerriers. Bah, il me reste un guerrier de fer et on est bon. Parce qu'apparemment quelqu'un est allé tuer le maître. J'ai pas touché au maître. Ou Fox ou Musa est venu et a poutré le maître. Putain, mais tu cavales toi avec ton truc, Fox.
ouais, c'est fait. 148 mètres, je vais ramener mes quêtes. Attends, j'ai tué expert marteau de fer. Comment ça, il m'en manque un? Attends, il me manque un expert. Mais suis toi. T'as l'expert? M'occupe de toi. Tiens, il y a une kill qui s'appelle Nose Kill. Virus. Ouais, je suis sûr. Vous pouvez voir Stéphanie, Nov, toute sa famille. Et on est bon. Alors ça dit, j'ai pas compris le système de purification d'âme, aidez-moi. Et il y a Néophyte qui répond juste en dessous, le système de purification d'âme te permet pour, avec la touche T utilisée, permet de booster soit la rapidité, etc. Oui. En fait, le système de purification te permet d'avoir des âmes comme ceci. Hop là, et de choisir après ce que tu veux. Plus tu purifies en fait, dès que tu tues, tu as des âmes impures que tu purifies. Ça te permet notamment, vous voyez là, quand j'utilise c'est la crit, ici c'est la def, ici c'est l'attaque, ici c'est les PV max. Donc quand j'utilise, ça me permet de booster le truc. Que se passe-t-il ? Au début, t'en as pas des masses, et puis après, plus tu farmes, plus t'en as. Level 17. Ça va vite, hein ? Ça va vite. Quand je dis ça, j'ai l'impression de... Je vais parler à Alizé, tu sais. Je vais vite. Oui, c'est pas Alizé. Ouais, c'est Laurie. Hein ? Non ? C'est pas ça ? Oui. Je vais vite. Nya, nya, nya. Nya, 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 nya. Alors, hop, et de 1, on va prendre l'autre là-haut. On se rapproche des 30 là pour ma quête de métier, c'est cool. Je peux t'enfiler du minerai, hein, ça te la comptera. Merde, je dois tuer un chef de tribu aussi, mais fais chier. Ouais, il est juste au-dessus là. Oh, je fais tout dans le désordre, mais il faut que je fasse mes quêtes parce que sinon je vais pas. Non, mais c'est pas le même chef de tribu, c'est pas le même que celui que qu'on a. Donc, côté, j'ai 117 mètres, on va faire le chef de tribu, on en parle plus, et puis après, il faudra que j'aille faire mon rapport à Hyacinthe. Ah, bah il vient de tomber, je crois, il est mort. En attendant, ce que nous avons, c'est on va se faire ses potes. Il est retombé, c'est ça? C'est moi qui ai tué. Ah bah oui, ça me l'a compté. Allez, cassons-nous! Moi j'étais en train de faire du trash, tranquillou, je me prenais pas la tête. Est-ce que vous allez continuer d'y jouer après avoir fini les lives? Je ne sais pas, pour l'instant on le découvre, le but c'est vraiment de découvrir avec vous, ou faire découvrir ce jeu, donner nos impressions, après est-ce qu'on continuera après, je ne sais pas. En toute franchise, on verra. Le plus compliqué c'est que des jeux sortent toutes les semaines et le but de Minute to Click c'est aussi de vous présenter un maximum de jeux, donc c'est vrai qu'on peut pas rester autant qu'on voudrait, en tout cas moi. Mais tu as tué le messager aussi. Pas pour l'instant. Mais j'ai pas encore la quête. Je vais déjà rendre celle-là. Faire mon rapport. Il faut que je fasse mon rapport à Nov, mais il est hyper loin aussi, donc j'ai dû louper la quête histoire, je l'ai complètement foiré je crois. Je suis à la bourre. Je suis à 150 mètres derrière, je vais déjà rendre cette quête là. S'il te plaît, bonjour. Hyacinthe, ma théorie est la bonne. On a ce qu'il faut, oui. L'eau, elle est niquée. Voilà, je voulais te le dire, c'est fait. Et bah, de toute façon, faut que je parle au même endroit. Cool, et bah voilà, impeccable. Tout me renvoie au début de la vie. Est-ce que tu joues au jeu en dehors des lives la plupart du temps? Est-ce que tu joues au jeu? Au jeu vidéo en général ou à ce jeu au jeu vidéo en général? Oui, ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive. À ce jeu là non, parce qu'on l'a commencé hier et que j'ai dit que je continuerai qu'en live pour pouvoir avoir une évolution. Est-ce que vous ferez du Tezo un jour? On l'a déjà fait et en live en plus. Oui, à la sortie du jeu. À la sortie du jeu. Ah, je suis bugué dans le merdier. Enfin, je me suis bugué dans le merdier. Donne-moi une ceinture pyro, c'est magnifique, suivi de deux magnifiques merdiers, et apparemment, non, me donne pas un nouveau machin.
J'ai tué tout le monde, Jean-Claude. Bon, ce qu'on va faire, en plus, on va en profiter pour marquer la pause. Maintenant, c'est bien, c'est un bon moment. Faudra que je vende aussi, donc on va aller vendre aussi. Juste regarder le stuff. Non, 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 et non. Et ben, on ira vendre juste après. On va trouver un joli petit vendeur. Juste après la pub. Mesdames et messieurs, vous ne quittez pas, on est ensemble jusqu'à 15h sur Echo of Soul. Toujours avec Fox, toujours avec Musa. Et on se retrouve juste après une courte page de réclame. Mesdames et messieurs, bien tout de suite. Il est 14h18 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h sur Echo of Soul. On teste ce MMORPG made in Area Games en compagnie de Foxine et Musaren et on est level 17. Yep, ouais. Bon, moi il me faut absolument un vendeur. Alors, dans la zone, il y a l'air d'en avoir tellement. Je vais me rapprocher de là où je dois faire mes prochaines cibles, mais là, ce truc, je suis plein craqué. Il se trouve qu'il me reste 3 places. Et là, je suis sur explosion de poudre et intercepteur de intercepter le message. Ah non, je suis bien plein. Mais c'est parce que si j'ai plein de. Bon, il y a plein de trucs de quête, j'ai plein de matos. Et je crois que j'ai pas recroisé de vendeur depuis tout à l'heure. Et de ce fait là, c'est la merde. C'est la merde. Ça, tu peux utiliser la nourriture, déjà. Oh, super. Ah ouais, le bacon, hein, je peux pas. Ok, on va bouffer un maximum. J'attends que ton icône soit bleu, tu es tranquille. Oui, il est bleu là. Ok, c'est bleu. Mais j'ai toujours pas de place. Ce qui m'embête. Hop là. Ma femme arrête pas de dire qu'il faut que je me rase les joueurs. C'est vrai que là ça commence à. Je fais de la concurrence. Hein. Si j'y vais comme ça au studio, demain MV va croire que je veux devenir son frère. Tu veux rejoindre le côté barbu de la force? Oui. Alors rase-toi la barbe correctement parce que là ça fait dégueulasse mon gars. Oui, frère MP. 33 mètres là-haut. Mettre le feu au baril de poudre. J'arrive, je vais foutre le feu. Alors ça c'est un super truc, ça me plaît bien. Pardon, excusez-vous. Pour foutre le feu. Il est où le baril? Ah, tonneau de poudre. Comment je vais t'y foutre le feu au tonneau? Oui, il faut se casser. Oui. Ah wouh. C'est dingue. Oh la grosse explosion mon gars. J'avais jamais vu ça. C'est un pétard mouillé le truc. Wouhou. Ça c'est tout niqué. Hein. Sous les autres barils, là, il y en a un là-bas. Allons-y en scred, prenons le lama de l'invisibilité. Le lama invisible. Ok, ça c'est bon, il est là-bas. Allez, allons-y. Voilà, c'est fait. Faut que je récupère le message. Il est où le message? Sur le chef? T'as un messager derrière lui. Ah oui, d'accord. Attends, d'abord, je suis sur le chef. Là, j'ai des petits soucis actuellement. Nous sommes partis dans un combat épique. À base de pop, 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 je les silence. On est parti, on part sur un double cast, triple cast. On est sur un quadruple. On part en 2, 2, 4, 6. Oui, parce que l'équipe de France aime le jambon. Voilà, tu tombes. Oh, oh, j'ai dit quoi? J'ai dit, tu tombes. Et normalement, il y a un messager derrière toi. Voilà, voilà, ça passe. Non, ça passe pas! J'ai aggro toute la zone! J'en suis foutu, on va tous mourir dans l'atroce souffrance! Désaggro, désaggro! Désaggro, Jean-Paul! Appelle-moi aggro, aggro! Je vais être obligé de me retourner. Ok, c'est parti! On part sur une double pénétration à. Chantrôleur du Lori. Je vais vite! Eh, jeune, ils vont mourir! Pas perdre! Oh, j'en ai beaucoup sur moi, j'en ai beaucoup là! Alex, Alex! Oh bah, ils m'ont body block! Au secours, les copains! Je suis poursuivi par d'ignobles trolls guerriers de la Pocaslip. Moi j'ai fait le chef et le messager. Et voilà, je fasse voilà, le deuxième, le premier repop, le temps que je leur fasse le deuxième repop. Au bout d'un moment, je me suis enfui parce que c'était un petit peu. Ok, on y va, on y va. Ok, on y va. On se fait le messager, c'est parti, on a largement le temps. Tout va bien, on est sur. Voilà, on a fait le messager, récupérer le message. Je l'ai pas, j'ai toujours pas. J'avais à mourir. Tout va bien, je gère de la fougère. Ou pas. Si, c'est bon, ça gère Alex. Allez, Alex, Alex, tu gères. Hop là, forcément, le dernier en vie, c'est le messager.
fait bien mal. Tu vas tomber, vilain, manant. Voilà. Oh, dis donc, hé. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait y rester. C'est fou, ça. C'est dingue, ça. Pétard mouillé. Bah ouais, les gars, vous voyez pas le truc, là? Ça fait très pétard mouillé, le merdier. Ah, c'est pas par là, c'est par là. Ok. On arrive, on arrive. GG Alex, oui, oui, j'ai eu un semblant à peu près de cycle. Hein. Le problème d'un match souvent bas level hein, sur la plupart des MMORPG, c'est ça. Hein. T'as rarement du multi-cible. En fait, quand on t'offre un perso multi-cible dès le début, c'est que t'es niqué. Pour tes quêtes, il te faut du mono-cible. Et quand à l'inverse, c'est que t'es niqué. Il te faut donc l'inverse, c'est comme ça. Faut pas chercher midi à 14h, surtout quand il est 14h23. Important. Oui. Bonjour, j'ai tout cassé. Voilà, je voulais vous le dire, madame. Par contre, madame, vous faites pas boutique. Non, parce que je suis un peu plein là. Là, mais alors un peu plein du style. Plein, plein, perlin, pin, pin. Je vais être obligé de jeter des potions. Je crois que je vais faire ça parce qu'elle me rapporte 8 PV à la con. Et ça, ça me rapporte 20 PV. Alors, madame, comment vous dire que je pense que. Mais pas donné d'autres missions. Elle est où ma mission? Ah oui, si, parler à Hiral, l'éclaireur. Allons-y. 200 mètres, ah oui, je sais pas, je suis hyper loin, lol. Et ta dernière mission, l'éclaireur? Ouais. La presque. Fin de zone, en fait. Ah, c'est la fin de zone, ok. Il y aura peut-être un vendeur dans la nouvelle zone. Attends, oui, mais moi, bon. Oh, vous êtes déjà barré là, je vois les deux là, ils sont hyper loin. J'arrive, les gars. On est à côté de là où on t'a pris les quêtes au départ. Ok, ah, j'arrive, parce que j'ai vu qu'aucun d'entre vous n'avait décidé de partir en courant pour m'aider et m'épauler dans la souffrance qui était d'attaquer au moins 3 trolls en même temps. J'ai vu votre dévouement aujourd'hui, monsieur. Ouais. C'est pas joli joli. Je tenais à vous le dire. Mais alors, pas joli joli. Ah bah c'est là-haut. Ah non, c'est où? Ah il est là-haut. Toi aussi, apprends à lire un GPS. Ah bah non mais attends, il faut que je vende. Oh putain, si je me barre comme ça. Monica, tu vends pas. Toi, tu bijoutier, tu vends toi. J'ai tout un tas de choses. Yeah. Non. Jeter un non, coup non, je veux pas apprendre bijoutier, fous-moi le camp. Je veux te vendre tout ça, voilà. Ça, 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 ça. Tiens, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça je le garde quand même parce que pas déconner c'est ma pierre. Tiens ça aussi. Ça c'est ça, ça, ça fout moi le camp. Voilà c'est bien, magnifique. Ça voilà fout moi le camp, magnifique. À voter. Allez cassons. J'ai un peu plus de place mais je trouve que les sacs sont tout petits les gars. Dès que t'as 15 pierres là c'est foutu. Bonjour Ira, vous êtes... Ah Ranger, ça va? Oui, bah je vous ramène des trucs et vous m'en envoyez, c'est ça? Oui bah super, merci. Vous voulez que je fasse quoi? Que je récupère du cuir de Varane. Ah merde, j'en avais plein sur moi. Je viens de le vendre. Oh le con. Pas le même. À base de Kamehameha. Kamehameha, 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 Kamehameha. Parce que j'ai la flemme de cast. Je trouve que c'est trop long. Oui, alors c'est un peu le but. Elles font hyper mal tes attaques. 4 sur 5. Tu veux pas tant que ça repop juste derrière. Non, mais il y en a de l'autre côté. Hein. Je sais pas comment continuer à avancer. En fait, quand tu donnes des quêtes comme ça dans les petits couloirs, dans la toujours dans les trucs d'après, le truc c'est que tout le monde en fait. Reste dans les petits couloirs. Ferme dans la première zone et du coup. En fait, tu vois, dans la suivante, t'es aussi bien. C'est ben ce voilà. Qu'ils appellent les zones de chasse infinies ici. Apparemment, t'as les quêtes journalières, tu reviens, tu peux refaire les. Ben voilà. Il veut que je livre à Darla Dirla Dada. Et puis deux minerais, et puis je serai bon. Allez hop, deux petits minerais, on n'en parle plus. Moi, je peux t'enfiler, j'en ai une trentaine. Oh, il m'en reste un. Oh, j'arrive à 30 là en fait. Hop là, sur la quotidienne de récolte. Voilà, et bah voilà. Hop là, le dernier.
pour la route. Valide-moi ma quotidienne. Merci. Ah, je crois que c'était la capitale. Faut que je livre à 22 mètres. Ah oui, faut passer par le portail. Oh lol, je te livrerai plus tard, Jean-Paul. D'ailleurs, la capitale, je crois que c'est la zone d'après. On va y approcher grandement. Bah, vous la verrez vendredi, la capitale, hein, parce que je vous rappelle qu'on fera du Echo of Soul. Vendredi, on est un peu plus haut level. Alors, quel level, très exactement? Vous verrez, c'est une surprise. Portail enregistré. Quel temps j'aurai devant moi. Portail enregistré. Merci. Merci. Ah tiens, on va purifier à deux. Tu veux qu'on se purifie, mes arènes, tous les deux? Viens, on se purifie. Je peux vous aider? Ah oui, Musaraine veut se purifier. Je peux purifier avec toi? Alors se purifier à deux est intéressant parce que vous ne perdez pas de ce fait-là de dame. Si vous le faites tout seul, c'est une pour deux. Si vous le faites à deux, c'est une pour une. À part ce que je n'ai pas... En gros, tout seul, ça te consomme deux. Oui. Allez, c'est parti. On commence par quoi? Les golems, là, vieille tablette et des golems de terre. On fera l'enquêteur plus tard. Haha! Ah merde. Je te le laisse, hein. Non mais t'es déjà dessus là, nana. J'arrive, je fais haha! Mais en fait, haha, rien du tout. On récupère des tablettes antiques qui volent toutes seules. C'est un peu de PV ça en fait. Ah, you can. Mais barre-toi madame, laisse-moi ma tablette. Non Fox, barrez-vous tous de mes tablettes. Il s'énerve et tout. Ça va Alex, ça repop les tablettes, merde. Pendant ce temps là, bâche du mob. Je te laisse tout seul. Peut-être pas, tu prends mes tablettes. Il est en train de se battre avec pingouin pour les tablettes. Ah putain. Ni vu ni connu ma quatrième, il va m'en rester une. Il y en a une qui est juste là. Oh là là, oh là là, Musaraine, nous sommes en course poursuite. Tu vas arriver avant moi, tu vas. Oh, c'est... La petite de jambes. Le Musaraine jeu de jambes. Musaraine, vous êtes poursuivi, hein, je tenais à vous le dire. Oui, je sais. J'écris les limites, cet enfant. Bah, je t'ai ramené des copains de ce fait là, regarde. Mais que se passe-t-il? Le mec il troll, il court, il ramène tout ce qui bouge. C'est bon, j'ai trouvé une tablette. Non, non, pingouin. Pingouin. Ah ah. Je t'ai eu, pingouin. Mm-hmm. Bon, c'est bon, on a fait ça. Est-ce qu'on va se faire l'enquêteur à 135 mètres au passage ou on rend ces quêtes là à 80 mètres? Fais l'enquêteur? Non, non, ouais. On va pas redescendre pour remonter, pour redescendre, on va monter directement. On esquive les nymphes des prairies. On rebascule pour ne pas tomber sur les golems de terre. Inspecteur. Mais y a quelqu'un dessus. Oh, ça le compte. C'est Pinguis, c'est pas Pingouin. Bon, je l'appelle Pingouin si je veux. Elle tombe. Non, ça va pas compter. Bah, moi, il va repop très très vite. Ah non, non. Donc fais attention. Ça l'a pas compté parce qu'on l'a pas engagé. Oh la vache, l'engage de Fox. Fox qui a zéro déconné sur l'engage. Et là c'est cool, c'est good, on va pouvoir tout rendre. Allez hop, c'est parti. On fuit parce qu'il va nous repop dessus sinon. Ouais. Sinon il va pop sur Naemera, mon fourmilier. Mon fourmilier qui marche sur ses pattes arrière, voyez. Il y en a un qui va le faire, moi je vais aller l'aider. Fox c'est l'homme, l'homme qui aime les hommes. Qui... Hein? Mais non, pas l'homme qui aime. L'homme qui aime, aide... Oh, bah y compris. L'homme au grand cœur qui aide les hommes. Mais non, mais il aime ce qu'il veut, je m'en fous.
Oui madame, même super, me donner deux potions de merde. Frère, rien de me donner madame, au pire de la thune. Mais... J'ai tout ce qu'il faut. Parlez à Cléo. Cléo. Bonjour. C'est tellement de la merde ça. Attends, il faut que je reparle à Toric. Je dois avoir quelque chose qui vous intéresse en stock. Vous voulez le dire ? Oui, que cherchez-vous ? Alors, récupérer de la sève d'herbe, récupérer des reliques immaculées et récupérer la reproduction de piliers. Bon, on va commencer par le pilier, c'est le plus loin. Le pilier qui est en plein milieu. Oh, oui, je suis en combat, j'ai un petit golem au cul, mais fous-moi le camp, tiens. Moi je suis là pour aider, les autres se regardent, c'est pas la peine. C'est bien, je suis mort, j'ai atterri là où je devais rendre des quêtes. Ah, t'es mort ? Bah oui, parce qu'ils m'ont regardé contre le golem alors que je les aidais. Lol. Salaud ça, salaud. Les gens sont salauds par définition. Oh, il y en a des fois ils t'aident comme ça parce que tu les as aidés, mais après il y en a. J'ai rien compris à ce que fait le chat. J'ai rien compris. Je suis sur la bonne chaîne ou pas ? Bah oui. Shanghai. Vous avez complètement craqué les gens là. Oh lol. Et le chat a complètement pété un boulon. Donc récupérer de la sève d'herbe, on va en récupérer, on devrait en avoir par là. Juste ici. Hop. De la sève d'herbe. Ah c'est ça qui fait pop un petit golem. D'accord, c'est de là d'où viennent les golems. Les enfants viennent depuis les choux et les golems viennent depuis la sève d'herbe en fait. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Tu m'as pas vu. Oh merde. Mais laissez-moi. J'ai oublié de prendre une quête du coup. Ah oui, j'ai pas suivi le chat, j'ai rien compris à vos délires de Shanghai, Hong Kong, Guadeloupe, les gars. À un moment donné, ça faisait beaucoup d'un coup et j'ai rien bité au truc. Est-ce qu'il va repop ? Voilà, tu repop là, c'est très bien. Non, non ! Pas la bonne cible ça, Alex. Pas du tout la bonne cible. Partons. Oula, pas bon la vie non plus. Je m'en fous, je me casse. Y'a rien à foutre la nymphe, tu m'auras jamais. Je suis tout petit. Bonjour. J'ai fait tout ce que j'ai demandé. Voilà. Et vous en voulez encore. Et t'es sérieuse toi? Oh. Fichu golem, ils ont saccagé la vallée. Pourquoi tu prends pas tes coups? Oh. Tombe. Don. Vilaine. Non, c'est pas ça. Oui, c'est pour toi. Nouveau succès débloqué. Terminé sans quête secondaire. Merci, merci, ça fait plaisir. Est-ce que ça c'est mieux? Non. J'ai les mêmes. Ok, donc on en est parlé à Sylph. Il faut que je livre Marek aussi à 138 mètres. Alors on va faire ça parce que c'est le plus loin. On va livrer Marek. Et à partir de là, je regarde l'heure aussi, j'oublie pas. De quoi ? Ilf, c'est la quête d'après. Ouais, c'est pour ça que je vais parler à Marek parce que je l'ai pas rendu. Je me rends compte. C'est quoi ton MMO préféré ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas.
je peux te dire celui auquel j'ai le plus joué, mais préféré, j'en sais rien. Celui auquel j'ai le plus joué, c'est WoW. Bon, MMO RPG. MMO veut dire massivement multijoueur online, donc en fait, juste parler d'un MMO, c'est pas, pas un style de jeu en fait, c'est une façon d'être en ligne quoi. Ah mais c'est métier, Marek. Ah mais là je vous rendrai plus tard, on s'en tape. Vas-y, je suis en train de partir à perpète pour ça, j'ai pas fait gaffe. C'est ma quête métier, oh quel con. Au pire, tu peux utiliser un portail si t'es à côté. Ah, par contre, j'ai peut-être merdé. Ah oui, parce que là, j'ai utilisé un portail. Donc, je suis bien à Marek, peut-être, mais je suis loin. Vous pouvez m'aider. Alors, j'ai un parchemin. Ta. Bon, Marek, j'étais content de te voir, mais maintenant je suis hyper loin. J'avais mis ma pierre hyper loin. Je me rappelais plus qu'il fallait la. Donc là, je suis à 800 mètres. Oh ! Mais c'est hyper non, loin. Non, tu réutilises le portail là vers la. Le portail. Quel portail ? Bah, t'as du PTP. Comment tu utilises le portail ? C'est pas celui-là. Tu parles au gamin qui est devant. Ah oui, aide au portail. Vous avez besoin d'aide ? Oui, je voudrais me téléporter, Jean-Paul. Et on était où, nous ? On était dans la... Au niveau du camp de Canyon Lynx ? Non ? Forêt de Vallée désolé. Vallée désolé ? Moi aussi, je suis ouais, désolé. Ouais, tu ne vois pas sur la map ? Ah si, d'accord. Oui. Allons-y. Nouveau succès débloqué. Ah, je m'étais pas encore TP. Voilà, magnifique. Comme ça, moi, je fais 80 mètres de mon truc. J'avais même pas fait gaffe au TP encore. Ce qui va plus mal. On va passer le portail, faut qu'on aille parler à Sylph. Bon. Des nymphes des laves. On peut aller dans la zone d'après pour être tranquille. Attends, j'engage juste ce golem là. Le même que toi en plus. Ça doit être dégoûté l'autre. Ouais. Ça tape en premier. Ouais, d'aller dans la zone d'après, on serait un peu plus tranquille. Faites pas de PVP avant la fin, on en a déjà fait. Ah merde. On est pas loin de la capitale d'ailleurs. Ok. Voilà, lymphe des nafs, il m'en faut encore. Lymphe des nafs. Nymphes. Oh putain, c'est n'importe quoi. Des nymphes de lave. Il m'en faut encore 5. 5. Ouais. Golem. Bah j'ai 6 à tuer et c'est que la première à compter en fait. Les golems c'est et les, bon non mais les golems Ah les golems c'est bon. C'est vraiment de la nymphe quoi tu vois. Ah j'en ai une. Ah mais non. Mais casse toi Myrana là. À gauche. Ok, 4 sur 6, une petite nymphounette, j'en ai vu une là. Nymphounette. Ah. 5 sur 6, une dernière nymphounette. Ah magnifique, la nymphounette de l'espace. Cible non valide. Ah, cible non valide, ok. Ok, c'est bon. Cassons-nous. Je suis level 17, ça monte. Je crois qu'on a perdu. On a perdu Fox. On a perdu Fox. Non, je suis revenu. On va voir un orthophoniste. Alex, je crois que t'as besoin du bécherel ou de l'orthophoniste. Non, je pense qu'il y a beaucoup
de fatigue d'accumuler depuis plusieurs semaines. Et de ce fait là. Donc la capitale est juste après, c'est ça? Normalement tu y arrives au level 20. Donc il faut que tu des loups et des élémentaires d'eau. On va aller juste après je pense. Non bah non c'est là. Alors, je voudrais des loups, s'il te plaît, des élémentaires d'eau. Ah bah voilà, il y a un loup. Bonjour monsieur le loup, excusez-moi, il faut que je vous tue. C'est pas que je vous aime pas en fait, c'est qu'actuellement mon maître de quête me demande. Non, non, bah c'est ça, mais mon maître de quête me demande de vous poutrer ainsi que vous et vos amis élémentaires d'eau. 6 à chaque fois. Allez, les loups, on pop là, on pop par 25. Voilà, un petit loup mené. Petit loup, petit loup. Voilà, un élémentaire d'eau juste là. C'est parti là. C'est la Java. Et bien fait, c'est le familier qui se décale quand on combat. Alors, je me pousse, ça se passe. Je me pousse, hein, je pense. T'embête pas plus longtemps. Bon, je suis à 4 loups et 3 élémentaires. Ce serait très bien que ça repop là parce que. Voilà, de l'élémentaire. Donc, les élémentaires 5 sur 6, les loups 4. Et loup sinon ça pop ou bien? Parce qu'on a Tamix qui vient d'arriver et qui décidait ouais loup 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 loup. J'envoie mon sort le plus pourrave mais celui qui permet au moins de prendre l'aggro. Là on a un juste derrière, pareil. C'est pas gros l'élémentaire. Voilà, ça c'est fait, rendons les quêtes à Johnson qui est à 150 mètres. Ah oui, on avait le temps d'avancer en fait dans la zone. On avait le temps. Ah oui lol, on avait toute une zone après Musa. Mais comme d'hab en fait hein. Chaque fois on dit dans les couloirs, mais c'était un couloir, grosso chiasso. Allons, ah, comme quoi ça sert vraiment à rien, voilà. C'est juste à côté. Juste au début, la quête se rend à l'autre bout. Donc, rend après, dans l'idée, tu vois. On est encore dans un couloir. Alors, est-ce qu'on peut lui rendre la quête sans passer le portail? Oui. Level 18. Ok. Jacqueline, tu m'as donné des objets assez intéressants qui me donnent un PV. C'est la folie. Ah, c'est vraiment la folie à Broadway là. Donc, tu veux qu'on fasse quoi? Spécimen de plantes et. Apparemment, toi tu es à côté, mais tu ne la prends pas. Merci. Voilà. Et. Ça va des plantes, il y en a. Et les spécimens de plantes, alors c'est et les flacons de récupération, c'est en tuant les nymphes. J'ai la flemme. Voilà. On peut looter les mêmes mobs hein, pour les. Bon, il me reste les flacons, il m'en reste 3. Une petite nymphe. Celui-là, des fois, il part pas.
Oui. Couché. Il va me rester deux. Est-ce que t'as des nymphes qui sont restées au sol que je peux loot? Oui. Là-bas, il y en a une à côté, et sa pote. Ah, vite, en continue. Ah. J'ai vu le ninja, des tout petits. Moi, tu vois, j'ai un nouvel ami, regarde. Un élémentaire d'eau, je le balade partout. C'est mon nouveau pote. Il va partout où je vais, il va. Il est comme ça. Faut passer le portail, c'est ça? Ouais. Comme ça, il va me lâcher l'élémentaire. Lâche-moi! Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de me lâcher! T'en sors, Fox? C'est derrière nous de ce fait-là? Ouais, ouais, moi je suis sur les loups et les élémentaires. Je vous rattrape. Et t'as eu... nous rattraper, ce truc. Oh, il va vite. Bing, bonjour Alex, une question anodine, quelles sont les couleurs que tu aimes? Portail enregistré. Oui, le noir, le rouge, le blanc. J'aime bien les couleurs en général. Un petit peu coloré. Le blanc, est-ce que je le considère comme une couleur? Je sais pas. J'aime bien les couleurs. C'est dans le film Ex Machina, t'as une réponse tout à fait appropriée à propos de cette question. Ah. Au moment où il lui demande c'est quoi tes couleurs préférées et en fait ils expliquent que t'as une couleur préférée que quand t'es jeune et qu'après t'apprends à ne pas faire la différence entre toutes les couleurs et à les aimer toutes autant que les autres. Bah, je sais pas en fait, je saurais pas te dire, je sais pas vraiment, j'en sais rien. Je peux pas répondre à cette question. Question d'une complexité absolue. Recherche de donjon, bah non. Recherche de donjon, calme-toi. Nouvelle compétence. Ouais, s'il propose le donjon héroïque en fait. Ouais. Mise à feu, alors on regarde un petit peu les compétences. Consomme une marque de feu pour infliger 209%, ok. Qui permettra ça derrière, ça, tempête de flamme. Si ça te coûte les golems là Non, je crois pas. Parce que je suis en train de. Je sais pas où t'es. T'es derrière moi. Bah. C'est juste là. Je sais pas trop, je verrai ce que je prends après. Je sais pas trop, j'hésite. En fait, j'ai pas de golem à faire moi. J'ai pas du tout rendre. Et la quête ? Non, non, mais j'ai pas eu le temps de tout rendre en fait. Ah, d'accord, c'est pour ça là. Bah, rendre du coup. Ah, il m'en reste une que j'ai pas rendue, c'est pour ça. C'est pour ça. Salut Alex, comptes-tu faire du Wakfu un jour ? Je pense pas. Pas en live en tout cas. Bon, aventurier, faut que je te parle là. Bonjour. Oui. Faut que je te rende ça. Tu me donnes des bottes pyro sympa, merci. Et tu me donnes l'histoire des golems, magnifique. Alors attends, hop, des bottes, hop. Qu'est-ce que c'est que ça, ça? Ruine de poussière, objet de quête, ça c'est pas des objets de quête, hein. Objet consommable, ok. Mais des fois je sais pas tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est là, ça? Bah il faut l'utiliser, ça. Bah alors. Ça c'est la cryo... Ok. Ça c'est un objet de quête, on va le mettre là, ça sera à vendre. Voilà. Est-ce que je peux l'ouvrir lui? Niveau insuffisant pour cet objet. D'accord, c'est niveau 20. Ok, merci. Quelle heure est-il? C'est l'heure, on va s'arrêter là mesdames et messieurs. D'ici quelques instants on va juste récupérer 2-3 petites conneries ici, tiens, pour avancer les quêtes. Et puis après on va se quitter, vous retrouverez la suite des programmes juste après une courte page publicitaire. Et quant à nous on se verra demain en direct des studios de Paris pour du War Thunder spécial PlayStation 4. Ça sera demain midi 15h pour le Midi to Click spécial et les War Thunder dès la PlayStation. Jeudi on se retrouvera aussi midi 15h pour la partie Dirty Bomb. Voilà, je cherchais le nom du jeu, vous verrez, on le découvrira, c'est un free to play. Qui est...
un mélange, je dirais, entre un Team Fortress, un... plein de trucs, hein, mais un habile mélange. Qui est assez rigolo d'ailleurs, avec l'équipe on se marre bien dessus, donc on vous le présentera jeudi, on reviendra sur du Echo of Soul plus haut level, ça sera vendredi, excusez-moi. Pourquoi tu récupères, voilà, du mal aujourd'hui. Particulièrement du mal, oui. Oh là, aujourd'hui, oui, c'est la complexité, voyez. Enfin, on va livrer à Mobina. Mobina. Un voyage vous attend. Allez, Mobina. Merci à toi, des bisous. Mesdames et messieurs, bonne après-midi à vous. Merci, Fox Musa. On se retrouve vendredi d'ailleurs. On se retrouvera d'ailleurs pour Dirty Bomb jeudi. Ouais. Pour Dirty Bomb, mais vendredi pour Echo of Soul. Merci à vous en tout cas, mes chers amis. Et on se retrouve donc jeudi pour Dirty Bomb. Quant à nous, les joueurs, on se retrouve demain midi en direct des studios. Midi 15h sur la TV1. Ici même. Je vous souhaite une bonne après-midi pour la suite des programmes qui arrivent d'ici quelques instants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, bon après-midi. Moi, je vais dormir.